Et bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, on est bon. Bon, je vous rassure, j'ai fait passoire, mais normalement, juste à attendre les médecins et on est bon. Oula, ça c'est du réveil. Et tu deviens quoi? Une passoire. T'as vu que je lis les messages? J'y réponds pas, mais je les lis. Et coucou Del, bonsoir Colo, bonsoir Akema, bonsoir Seber, bonsoir à tous. En gros, pour vous résumer, hier, on a contrôlé la mauvaise voiture, on a fait la mauvaise interpellation et on s'est fait fumer. Et les SMS. Bonjour, je viens de me réveiller. Je suis en salle de réveil. Ethan Collins. Ah bah oui, ok, on a entendu ma poule, tout va bien. Est-ce qu'il y a une démarche un peu mieux que juste ça ou pas? L'appel vient d'être pris. Ok, démarche, on a quoi en blessé?
Non, ça c'est trop lent. Mal au dos, c'est relou. Non, bah on va garder celle-ci. On va garder celle-ci. Et bonsoir Yunadro. Bonsoir à tous. Hop. Il y a eu pas mal de changements normalement au LSPD. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il crie, Nagiel? Bonsoir. Pourquoi il crie? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais elle avait disparu. Ah, elle est de retour, ça fait une semaine qu'elle est là. Non mais oh. Faut juste que quelqu'un vienne me. Je sais pas me faire quoi, mais je suis encore au LSMS. En gros, hier, fusillade où j'ai pris quelques balles, j'ai été opéré, etc. Sauf qu'après, il y avait full crash au LSMS et je pouvais pas rester plus. Du coup, j'ai prévenu que je pourrais revenir qu'après, mais techniquement, j'étais en salle de réveil. Donc, tranquille. On devrait pouvoir sortir, il y avait rien de trop grave. J'ai pas perdu de foie, ni de rein, ni quoi que ce soit. Ça se trouve, ils m'en ont enlevé un dans la nuit, hein, et je le sais pas encore, j'en sais rien, je vais voir. Et merci beaucoup, Retarded. Pour Et retarder, bonjour. pour le follow. Et bonjour. Alors, est-ce qu'on vous avait expliqué ce que vous y étiez passé ou est-ce que vous êtes reposé Alors hier je sais plus quel médecin m'a opéré et du Oui. coup je viens de me réveiller après une bonne nuit de sommeil. Je Oui. sais que j'avais visiblement deux balles qui étaient ressorties, une qui était pas ressortie, d'où l'opération. Après j'en C'est sais pas ça. plus. Ça, il n'y avait pas d'organes ni d'os touchés, ça, il n'y avait pas de problème. J'ai tous mes reins, j'ai tous mes foies. J'ai tout. Hop, Oui, du coup, oui, vous ouais, vous aviez m'avez un compris. arrêt de travail pendant Ça 8 veut rien heures, dire. donc là, vous avez largement fait les 8 heures. Vous êtes bien Ok. reposé, ça va? Ouais. Bah, c'est dormi d'une traite, hein, je vous avoue. Là, je me suis réveillé Ouais. un peu mal, mais normal, je suppose. Oui. Niveau douleur, ça va comment? Bon, c'est supportable, on va dire. D'accord. Je quand même vous emmener dans une salle, on va regarder les plis, comment ça va. Oui, j'y suis. Venez. Ah, je vous suis. Monsieur. Ma poule qui me suit. Hey, bonjour. Eh bonjour. Alors si vous voyez une poule dans l'hôpital, c'est possiblement la mienne. D'accord, j'ai entendu, mais je l'ai pas vu. Faudrait que je la retrouve quand même avant de partir d'ailleurs. Oui. Non, je sais pas où. Merde, elle est où ma poule? Ah Je bah, prends le bloc 2. bougez pas, elle est là. Oh. Elle s'appelle comment? Ah zut, j'ai oublié son nom. Ah super. Pissenlit. Ah ça va, c'est Parce que mieux. vous avez un collègue qui l'a appelé Marguerite, du coup, Oui. voilà. À la base, elle s'appelait Poupoule. Cool, d'accord. Bonjour Natsu. Alors, je vais juste déshabiller le temps de regarder les sutures, comment ça va. Ah, magnifique caleçon léopard, on apprécie. Merci beaucoup C'est Ryan bon. pour le follow. Ce Bienvenue. que je vois, c'est tout bon. Je vais enlever quelques points, j'en laisse un petit peu. Je vais en retirer juste un sur deux pour commencer. Ok. En bonne voie de cicatrisation, mais on va le laisser encore un peu.
Ok, faudra que je repasse d'ici combien de temps pour faire un check et enlever les derniers du coup. Bah, vous pouvez repasser fin de soirée. Ok. Ah, Après, les caleçons sont magnifiques, hein. si vous pouvez travailler, après, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, je ferai attention, mais oui. C'est ça, faire attention. Je vais me balader avec le gilet S'il au y a quoi moindre que ce truc. soit, essayez d'arrêter et passez nous voir. Ouais, bah j'hésiterai pas, de toute façon je prendrai pas de risque. Je vais refaire un pansement. Ah, hier c'est vraiment parti en couille hein, sur la fusillade. Peut-être donner un petit coup de matraque aussi à un type qu'on a interpellé de type. Enfin pas un coup de matraque, un coup de lampe torche. Je voulais pas le coma. T'es déjà par terre tasé, j'avais pas non plus. Voilà. Mes autres collègues qui étaient blessés sont ressortis de l'hôpital également ou pas encore? Je sais pas si vous Je avez sais l'information. plus. Il y avait qui? Alors je saurais plus vous dire qui avait été blessé, je crois qu'il y avait deux collègues blessés. Il devait y avoir McCartney de mémoire et je sais plus qui était le deuxième. Ouais, je regarde. Ouais. Donc McCartney, il est repassé ce matin, c'est bon, lui a pu reprendre le travail, y a pas de problème. Et ensuite, Monsieur Black. Ah oui, c'était Black avec nous. Oui, lui a pu reprendre aussi normalement. Ok, bon Il était en arrêt jusqu'à 4 heures, donc ça devrait aller. Je sais pas où Ok. ils sont. Ok, bon bah. Ils sont sortis, c'est l'essentiel. Oui. Voilà. Hop, je vais en vêtements. Très aimable de me rendre mes vêtements, madame. J'étais tout nu. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir reprendre le travail. Ok. C'est bon. Vous pouvez vous relever. Et du coup, ouais, j'essaierai de repasser dans la soirée ou demain matin au plus tard si je me couche Ouais. tôt. D'accord. Bloc de libéré. Rez-de-chaussée. Hop, je vais voir si j'ai un collègue disponible pour venir me récupérer, mais en tout cas merci. D'accord, oui. Bien, bon courage pour la journée. Oui, merci. Et à plus tard, merci. Au revoir. Et pas tout ça, quoi. Hey, bonjour. Ayo, mate. Je viens de sortir du LSMS. Hop. Putain, mais il a fait un 5 ou quoi? Ah bah ouais, il y a des blessés, ouais, je confirme. Tac.
Oui, tu coupes aussi. Hey, bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Vous avez l'air tous tristounés, inspecteur. Ah, j'étais seul sur mon banc. Mais. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Ah, mieux qu'hier. Ouais, hier, on a essayé de demander des infos au médecin, ils nous ont envoyé chier. Ah! Ah, ouais, je suis ah, parce que vous avez pas fait le papier. Ah, c'est possible. Du coup, ça avait pas voté, toi. Je crois que les personnes que j'ai sur le papier, il doit y avoir Reeves et les autres personnes sont plus en ville. Ah! Ah! Il faudra que je mette à jour ça, effectivement. Vous avez un nouvel acolyte? Hein? Enfin, ah, c'est plus votre bureau. Ah, oui, 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 j'ai vu ça. Ah, ouais, j'avais pas vu encore le nouveau. Voilà! Qu'est-ce que. Ah, ce bois est l'entrée de parking là. Oh, on va en casser des barrières. Ouais, hein, des voitures aussi, je pense. Oui. Oh. Par contre, information, n'allez pas dans le bureau du commissaire. Oui. Ah, le solde ne tient pas. Ok, ah, ok. La moquette est pas bonne. Ok, bon, je prends note. Pas si vous voyez. Bon, ben merci. J'allais prendre le service. Et bon courage, à tout à l'heure. Ouais, attention à vous. Oui, à vous aussi. Putain, il est goldé le nouveau parking. Ah, oh, et c'est plus un bunker. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Hey, bonjour. Victor, vous allez mieux? Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Ah, je suis apte à reprendre le travail. Vous aviez été blessé hier aussi? Ouais, rien de... J'ai fait un check-up hier à 23h, ça allait... Il y a des points qui avaient sauté. Ok. Et là ce matin, on les a enlevés et puis on dit quand même de faire attention, mais ça va. Ok, bon, ouais, j'ai passé la nuit au LSMS du coup. Ouais, vous avez une petite infirmière pour vous ou pas? Bah je sais pas, j'ai fait que dormir. Ah zut. Seule infirmière que j'ai vue, c'est là en me réveillant donc... Ah, du coup c'était Menzel à toutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ça va, c'est un bon réveil quand même. Oui. Ah, j'ai connu Pierre. Je peux comprendre ça. Ça marche, ça marche. Bon, je vais aller prendre mon service et j'arrive. Ça marche. Si j'arrive à ouvrir la porte. Attendez. Alors, normalement... Ah ouais, non, ça... ouais, non, c'est la première qui était bloquée. Alors, les radios, le service. Non, le chat dégage de l'écran. Hop, radio. Hop. ...42 prises de service. Bonne prise de service, Soccer. Bonne prise de service. Bonne prise de service. Bonne prise de service. ...1029A sur boulevard d'Altero sur une comate grise. Bien pris. Oh, j'ai des rapports à tire-larigot à faire. Rapport fusillade. Hop. À la marque 9-27. 10-4. Et contrôlez-moi la super sportive interceptant. Ah, bien pris. Je suis en train de regarder ce qui s'est dit dans les rapports. Ça va, ça fait pas mention du fait que j'ai frappé un suspect au sol. 19, on a un problème. On a un problème, c'est flou ça quand même comme 19, vous pouvez répéter votre call s'il vous plaît. Ouais. L'unité peut se... Ouais, mais je pense que je peux... Ils étaient où? Il pas. Était solo? Non. Je vais l'appeler, non, il était avec il était avec Calvini 19. En formation pour non, il était en formation. 19, ah, ok. Bon, il doit être sur le 19, on a 61 qui a explosé sur les docks. On est en train. Hein?
Quoi? On va y aller, on va y aller. À 42 et 55, 55 on y va. Transmettez parce qu'on reçoit pas du tout, non? J'ai appelé le SMS. Un véhicule, enfin le véhicule de 61 qui a fait boom sur les docks visiblement. On va voir ce qui se passe. 10-4. Sympa le petit travaux. Ah, je sais pas, il a dû rouler là où il fallait pas. Faut y aller quand même hein, pour que ça fasse boom quoi. On a un problème avec son micro aussi, mais c'est pas grave. Ouais, les travaux j'aime bien, ouais. Le problème c'est que la station essence elle est incrustée dans le mur. Ouais. Ah! La map vient taper sur Madame Blake et Monsieur Gibson. Ah, ça fait longtemps qu'il avait pas été au SMS, dis donc 61. Ouais, il vient juste de sortir ce matin en plus. Bah oui. Et là il va retourner. Ah, j'espère qu'il était, qu'il a eu le temps de sortir de la voiture avant que ça fasse boom, quoi. 19 pour 78, 10-20 s'il te plaît. Derrière au bord de l'eau. Il vient de me casser les oreilles. Ouais, derrière les conteneurs, enfin derrière les docks. Y'en a, ils parlent fort, ouais. Je sais pas qui c'est. Ouais, c'est. Je sais pas qui parle fort, je crois que c'est 19 qui parle très fort. Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Au niveau de l'eau, ça doit être à droite, j'aurais dit. Oh là, ça vient de faire boom en face. Ouais, aussi ouais. Allez-y. Ouais, il y a une voiture ici. Vous approchez pas trop. Là, 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 à gauche. Hop, attendez, on va descendre. Vas-y. Ah putain, ouais, il est là, je le vois, je le vois. Il est descendu par contre du véhicule. Ok, il est là. Ah, vous avez prévenu le SMS? Oui, j'ai prévenu le SMS. Ok. Ah, oh, c'est lequel? Faut que j'arrive à lui faire un moins quelque chose. C'est une blague? Ah. C'est une blague? Ah bah, on a besoin d'un deuxième. Oh putain! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon ça. On va s'écarter, escorter le... J'en peux plus. On dit escorter. Ah putain, sa mère. Bon bah je crois que ça va être une fin de live d'ici peu. Ah merde. J'en peux plus. T'es pas inspecteur, ça arrive. Ah merde! Ah merde, j'en ai marre, j'en ai marre! J'étais à l'autre bout, bordel! Allez, Grid, reste avec moi. On a prévenu les médecins. Bon, je préviens quand même. L'hôpital me manquait déjà. Mais je viens d'en sortir, putain! Ça fait moins de 20 minutes. Ça doit faire 6 minutes que je suis sorti de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a deux unités qui sont au sol, hein. Merci. On a Colis. Oui, allô? Oui. Je sais pas. Ouais, on est juste derrière, on est au bord de l'eau. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, on est déjà trop. Non, non, là où il y a les conteneurs, enfin les portes, les. Ah, je vous laisse Cyril. Les mises en conteneurs. Au bord de l'eau, derrière le bateau. Tu vois le bateau, on est juste à côté. Là où on est passé dans le 8 en fait, tout à l'heure en intercepteur. Ah, il parle fort, il parle très fort, il me casse les oreilles. Tu vois, quand on faisait les tours d'intercepteur, tu passais derrière les grosses baraques et ben on est là. Qu'est-ce que vous entendez, monsieur? Ouais, je vous entends. Un peu étouffé, mais oui. Ok, je vais vous mettre juste une petite perfusion antidouleur pour vous soulager, je vais m'occuper de votre collègue. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais.
On va voir ça. La carte à vous. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on était en exercice course-poursuite. Et il a fait un trop gros dérapage, il a fait une manœuvre de recul ici jusqu'à là-bas et la voiture a explosé. D'accord. La voiture a explosé pourquoi en fait? Ouais, je sais pas du tout parce qu'il y a rien là-bas, je crois. Vous avez bien, inspecteur? Bah ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais Bah, je sais pas, moi je vous parlais et puis je vous ai vu à terre d'un coup, j'ai fait mais. Ah, j'ai entendu un boom et voilà. Bah ouais, comme quand on est arrivé. C'est un sale état, hein. Ah, par contre, qu'il fasse attention. Ah, en gros, pour moi, ça a pété de nouveau alors que le véhicule avait déjà pété. Aïe. Oh. Ah ouais. Ah merde. Ah putain. Je vais mettre une petite personne si vous voulez. On était déjà en arrêt, on vient de sortir, s'il te plaît. Ah oh, le bordel. Surtout que j'ai fait gaffe c'est et tout, monsieur. Que vous avez mal. C'est une bonne question. Elle est un peu aux fesses, j'ai dû retomber sur le cul. Mais ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, j'ai volé. Ok. Alors, vous avez mal sur une échelle de 1 à 10, la douleur. J'aurais dit 6. Je préfère rester là comme ça. Je sais pas si mes points sont parés ouverts aussi. Je vais vérifier ça. Est-ce que vous avez besoin que je reste? Ok, donc vous, bon. Vous êtes pris juste le souffle de l'explosion. Donc partir, juste, ouais. Ça va, rien de grave, quelques égratignures, mais. Ouais, je vais les infecter ça. Oui, bien sûr. À savoir que c'est pas la même explosion que le collègue que j'ai pris. Le collègue était déjà au sol, on est venu en renfort et ouais. Ça. Okay, j'ai entendu un bruit et j'ai volé. Ok, donc vous, ça va, c'est pas trop de gravité, vous allez pouvoir repartir, mais par contre je vais vous emmener votre collègue au LSMS pour faire des examens. Ok, monsieur Gret. Vous avez... Ou inspecteur, ça va aller? Vous allez vous relever? Ouais, ça devrait, ouais. Ça devrait le faire. Hop là. Okay. Vous avez pas besoin d'aller faire un radio LSMS? Visiblement non. Bon. Aïe 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 aïe. Courage. Ouais, c'est ça. Bah après je l'ai laissé, faire, j'ai parlé des points, etc. Non. Je sais pas, non. Ouais, si, on va aller ouais. On va aller au LSMS. Voyez, ouais, pour le sub jusqu'au LSMS. On a un véhicule qui a explosé du coup. Ouais. Apparemment c'est la Sultan. Ah, c'est la Sultan, Bada. Ouais. Ok, allez où? Ah, vous voulez que je reste pour le Beniz? Bon, on va rester. Bah, il est où il est où Mac... Ah, il est parti. McCartney, il est reparti. Ok. Ok, ah bah ouais, on va attendre le Beniz, on ira voir on ira voir Taylor après. Ouais, ça va, il a minimisé le bug, le doc. Bah de 24, allez-y, j'arrive avec... Après il m'aurait dit, vous êtes en arrêt 48 heures, j'aurais fait, hein. Ah, c'est bon pour le véhicule, il est sécurisé du coup. Bah étant donné qu'il y a des explosions sur ce côté, je suis pas sûr. Ah. Parce que là, par rapport au Beniz, Le Beniz va pouvoir venir, mais... Okay. Alors, je vais rester loin, parce que... Ça a l'air de venir, en fait... Ah merde! Quand je suis arrivé, ça a pété juste entre les deux remorques, juste derrière, là. Ah, ok. Ah, par contre, j'ai perdu mon holster. Là, ça a l'air bien. Ouais, je dois pouvoir accrocher. Ouais, disons que je peux pas trop... Je peux pas trop prendre... pas trop prendre mon arme dans le store là. Du coup, on va faire aussi 54, un... je vais aller sur encore. Ouais, l'SMS de Kibé ne sera pas assez. Alors, je vais voir je pense que je vais surtout voir le doc lobby dans un coin et bougez pas. Ok, on vous attend. Ah, d'accord, j'ai même plus de. Ok, faut que j'ai le TF4 le jeu. Alors, ne bougez pas. Ah, moi, pour moi, dans ma tête, je repartais au LSMS. Hein. Dans ma tête, j'étais foutu. Tac, hop. Oh, une Reaper orange, dis donc. Ah là là.
Putain. Dès que je suis proche de l'eau, hein, il se passe des trucs à l'aéroport, sur les docks. Hop, vas-y, VM. Je devrais en acheter une pour Ethan, ça lui irait bien. Eh, ferme-la! Bah là en fait je pense qu'il a roulé sur un... Il y a des trucs qui pètent à ce niveau là. Bon, le son est très fort, j'espère que vous entendez ce que je dis. Mais il y a des sortes de petits trucs électriques qui pètent au sol. Il a dû passer dessus et je sais pas pourquoi, je pense qu'il doit repop de temps en temps le truc et ça refait boum. Elle a fait boum 3 fois au total. Première avec Grid, deuxième quand on est arrivé de loin et une troisième quand j'étais à côté. Je pense que c'est un prop qui doit pop et qui doit refaire boom en boucle. Genre là, vous voyez? Non, reviens. Là, ça a refait boom. Je vous remets l'écran. Hop. On est bon. Hector, ça va mieux? Ouais, 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 tout va bien. Ah, j'ai pas vu l'explosion en gros quand je me suis reco. J'ai juste eu un gros boom pendant que ça dézoomait. Sur la reco et c'est tout. Elle est salement approchée. Ouais, elle a salement pris. Mais... Ah bah là ouais c'est... Plus une carcasse qu'une voiture actuellement. Eh hey, bonjour. Eh hey, bonjour. C'est à vous la Sultan? C'est la Sultan qui fait partie du garage et les Speedy. D'accord, très bien. Et vous qui étiez au volant ou pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. D'accord, bah il me faudrait la personne qui est au volant. Ah bah elle est au SMS. D'accord, bah je vais devoir attendre pour savoir ce qui s'est passé. Mais notre collègue il était là? Ouais, moi j'étais là. En fait, il a fait un demi-tour au niveau des places de parking là-bas. Ah non, et... attendez, venez du coup parce que je vais être obligé de prendre. Putain, ils font plus d'enquêtes que nous quoi, le, le Bénise. Vous avez pas trop chaud avec l'attirail pompier là? Un peu. Après, attends, obligé, hein. Faut bien ça, ouais. Oui, l'attirail pompier, hein. Bon, enfin bon, là y'a plus de feu, hein. Ouais, bon. Vous voulez pas que monsieur se mette tout nu quand même? Moi? Alors si c'était une dame, je vous aurais dit oui, pas de problème, mais là, monsieur. Je préfère qu'il reste habillé. Ah, vous préférez que monsieur ait chaud, très bien. Non, mais c'est à dire que j'ai des lunettes, mais après ça va casser les verres et tout ça. D'accord, ok, je vois. Putain, c'est ma journée en tout cas. Ça sonne bien. Et 2.46, 10.27. 10.4. On va boire avant de tomber dans les pommes. Et si je tombe malade, c'est que je suis maudit. C'est bon. C'est bon.
Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Bon, bah messieurs, je vais vous laisser. Ouais, bah, merci en tout cas d'être intervenu. Ouais, ouais. Passez une bonne soirée, bon courage à vous et puis. Eh merci, bonne soirée à vous également. Ouais, bonne soirée. Faites attention à vous. Oui, toujours. Monsieur Grid était en formation. Course poursuite. Poursuite. Il a fait un dérapage au niveau des chargements là-bas. Ça a été prévenu du coup en radio que Grid était à l'hôpital. J'ai pas entendu. Ok, je vais aller me mettre en longue portée pour prévenir. Ok, d'accord. À la 29-29B sur une comète grise au niveau de la. Ah merde, j'ai pas la. Je vais pas avoir la. Ils ont pas. Ah merde. 4. Oh non, j'ai pas la forcée. Wouf. Bah vous, j'ai la flemme, j'ai pas les clés de celle-ci. Non. Le mec qui force la voiture alors qu'il y a son collègue à 3 mètres. Tout va bien. Parfait. Non, c'est pas ça la radio. Oh, il devait pas entendre grand-chose. C'est ça. Allez, de 42 pour information, Grid a été transporté au LSMS et ça va pour moi. Bien pris. Ça tient pour l'unité disponible, est-ce que vous pouvez me chercher avec le LSMS? Voilà. Les 4 Madame Baptiste, les 4 Baptiste, j'arrive. Bon, bah, on est sorti déjà. Hunter RS 4. De toute façon, il faut passer au Belize avec la voiture, c'est salement approché. Ouais, bah je sais pas si ça va être récupérable, mais on verra non, bien. Non, moi je parle de la. Ah, de. Ok. Ouais, ah oui, effectivement. Vraiment, ouais, elle a des jolies formes, on va dire. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ah, faudra juste me déposer au LSPD avant que je puisse récupérer du matériel. Hop. On va voir où ça en est. Oula. 61-06 en numéro de téléphone. 37 INS 120 en immatriculation. Entreprise LSPD. Suivant LSPD pour modèle du véhicule. Monsieur Grid était en formation course poursuite. Il a fait un tête à queue. Ensuite, il a manœuvré pour reculer dans les docks entre le camion et la remorque stationnée. Le véhicule a explosé sans qu'il ne touche le camion et la remorque. C'est ça. C'est exactement ça. Bah, je vais envoyer ça à l'assurance et bah, je vous contacte. Et de 46 retours 404 au commissariat. Elle explique pour savoir. La réponse de l'assurance, si je l'ai. Ok. Pas de soucis. Eh bah, ben, sur ce, bonne journée à vous et bon courage. Bonne journée, merci. Merci, bonne journée à vous également. Merci. Au revoir, petit sultan. Du coup, il est sorti de l'hôpital, le sergent Ville ? Ouais, visiblement, il est sorti. Il a rien ? Bon, en tout cas, logiquement, s'il est sorti, c'est qu'il n'y a rien de trop grave. Après, je pense qu'il doit être en arrêt de nouveau. Du coup,
faudra juste me déposer au, au commissariat avant que vous passiez au Bénise. Yes, ça marche. Moi je vais faire une fin de service. Ok. 78 et 16. Est-ce qu'il est en arrêt? Il faut y croire. Ah non, mais. Je suis un peu en sens interdit, c'est pas très grave. Ah non, mais je suis maudit, hein. C'est tout, hein. Y'a pas d'autre mot. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Non, on a rien du côté des SMS. Alors j'ai pas compris les surexplosions qu'il y a eu, mais Ah moi non plus, mais surtout qu'il y avait rien en fait. Du coup je comprends pas pourquoi il a explosé. De 24, le dernier appel, c'est Jamestown qui tire sur des voitures pour les faire exploser. Pardon. De 61 off radio de 3 minutes pour tout lui. 10-4. Ah bon, là je l'entends pas fort du coup vu que j'ai baissé. Ça va, je suis pour le 10-27, je vais m'en renseigner. Après Neurandil, sinon tu veux que tu viennes au Bénis avec toi? Non non, c'est bon, t'inquiète. Et voilà messieurs. Hop, merci. Et merci, à plus tard. Du coup. De rien, à plus tard. Attention à toi. Désolé, test. Ouais. Ça va aller, 19 devient Lincoln 19 pour. Ouais, non, ça va aller. C'est. Les points de, d'hier qui tirent un peu. Ah, ok. J'avais promis au médecin d'être prudent, mais. J'avais pas prévu que je m'envole. Ouais, c'est ça. Les speedy prudents. Hein, bon. De 78, fin de service. Ouais, bonne fin de service. Et bonne fin de service du coup. Merci. Eh hey, bonjour. Monsieur Gris. Donc vous allez bien? Vous ça va. Ça va pas l'air d'aller, mais... Ah ouais si c'est. Légère blessure mais rien de grave. On s'occupe de vous ou pas du tout? Non j'attends juste de passer une question avec vos collègues. Ok, ok, ok. Bon bah pas de soucis, je vous laisse patienter. Bon bah bonne journée du coup. Eh hey, merci. Sainte de Vinewood. Ah bah là ouais, y'en a eu du bordel tôt. Je sais pas où il est Je sais pas s'il est de retour. Comment ça j'ai pas 61? Quoi? Pas son numéro. Pourquoi y'a un 54 je prends encore des. Un bout de mur. Bien pris. Il est passé où Grid? Oh là! Hey bonjour! J'ai même pas dit bonjour quoi! Alors, du coup, monsieur Clark, vous allez vous en vérifier vos billets marqués, bien évidemment. Oula, vous êtes un dangereux bandit. Ça va être une mise en fédérale pour monsieur Clark. Vous voulez que je vous dise du coup exactement combien vous avez? Alors, en propre, vous avez 2619.
Et en billets marqués, vous avez 5704. 5704, ok. Ah, c'est du propre ça, monsieur le gouverneur. Ok, et je vous les prends, voilà. Et du coup, bah, direction fédérale, tu t'occupes de faire la demande auprès du commissaire ? Moi, je vais m'en occuper. Oui, ok. Ah oui, et en motif, n'a pas donné la prime exceptionnelle à l'inspecteur Collins. À l'inspecteur Collins. Super, la prime à l'inspecteur Collins, uniquement à lui. Ah, mais tu parles en radio, là ? Ah, non. Ah, mais je crois qu'il me voit pas, en fait. Damien ? Hein, Damien. Alors, vous voyez là, monsieur le gouverneur, vous voyez qui devant vous? Ah, mais d'accord. On parle à quelqu'un depuis tout à l'heure, on est d'accord. Mais oui. Mais je vois pas monsieur Collins, hein. Ah, mais il est là. Oh. Eh, voilà, il vient de vous pousser. Allez-y, tu allez-y, en face de vous là. Vous pouvez le taper si vous voulez, il est en face de vous. Outrage à agent là. Outrage à agent. Putain de. Vous me voyez, monsieur le gouverneur? On a payé la facture maintenant. Hein? Mais non, mais. Il m'a mis une amende. Mais il m'a mis une amende, 5000 balles. Mais je les ai même pas, monsieur le gouverneur. Par contre, ouais, alors. C'est bon. Ah, merci. Très généreux de votre part, monsieur le gouverneur. Vous le voyez là? Ouais, c'est bon, je vois. Bah oui, maintenant qu'il m'a plus. Ok, ok. Je me disais c'est bizarre, il m'ignore, mais non, je comprends mieux. Je te voyais pas, je vous demandais à qui il parlait déjà le... Non, en fait, Clark, bonjour. Et bonjour, c'est pour ça que je me dis, mais il parle à la radio depuis tout à l'heure, il fait quoi là? Non, je parle au mur, je parle aux petites abeilles, aux petites mouches, je les appelle toutes Ethan. Vous aviez des voix dans votre tête, hein, mais... Oui, c'est vrai, la voix dans ma tête, elle s'appelle Ethan Collins, c'est bizarre d'ailleurs. Ouais, bah après, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, je ne veux pas savoir... Bon. C'était tout, messieurs? Parce que moi j'ai un travail quand même. Si jamais... Bah, nous aussi on a un travail. Mais en fait, c'était l'inverse, c'était tout, monsieur le gouverneur en plus. Ouais, bah, bien sûr. Ah, bah voilà, bah. Du coup, on vous raccompagne. Hein. Allez, bonne journée à vous. Quoi. Allez, bonne journée. Bonne journée. Vous voulez un petit goûter? Ah, oui, c'est vrai. Sergent, c'est le goûter du. Ah. Le goûter du paradise. Ah, rien de grave du coup, toi, sur. Le médecin il m'a soigné, il m'a appliqué de la pommade bien partout, okay. Où il fallait. Il ah oui, ok. Voilà, il m'a bien enduit de pommade. Ok. C'était alors, le docteur Johnson. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand je suis arrivé proche de toi, je me suis envolé. Ah ouais. Il fallait retourner au LSMS aussi vite que j'en étais parti, moi. Ah. Comment ça Bah disons que... Gorge sèche Non, il y a eu une surexplosion ou je sais pas quoi, et bah je me suis envolé. Ah. Okay. Du coup je suis retombé sur les fesses, mais rien n'est grave. Ok, ok. Moi il m'a dit que j'avais... vu là où était placé le véhicule, et là vu là où j'étais, que... En gros que potentiellement éjecté. Ok. Mais sans trop de gravité, il a réussi à me soigner. Il m'a donné de la pommade pour que je me l'applique, ou qu'on me l'applique plus tard. Oui, qu'on vous l'applique. Oui, ouais. Bah, vous demanderez à... Oui, je demanderai à un cadet qui passe par là. Parfait. Voilà, parfait. Bon allez, Néandil, du coup... On est reparti ou j'aimerais bien faire l'information. Cadet. Sans alors, vous exploser cette fois. Le problème, c'est que la voiture, elle est... Oui, la voiture, elle est... Actuellement, elle est au Bénise. On va attendre un peu, du coup. Ah, bonne journée. Bonne journée. Ça s'est calmé. Oui. Vaut mieux. Enfin, tombe. Oui. On peut dire que c'était un début d'après-midi explosif. C'est tout pour moi. Ouais, je vous fais pas dire. Je me fatigue des fois. Ah là là, c'est début de journée. Alors, la longue, elle va pas être réglée. Non. Ah bah non, c'est pas ça, c'est ça.
Et l'autre c'est quoi? 2, 6, 2, 3. Bonjour sa police. Bonjour la police, c'est possible de me déposer au Bénise pour la voiture? C'est totalement possible. Bah merci. Ça ne vous coûtera que 800$, vous êtes dedans, c'est trop tard, c'est validé. Merde. Fallait me le dire avant, 800$, pas une fois que je suis dedans. Bon, bon du coup 800$. Faire, hein. Je te laisse faire le call comme quand on va au Bénise. Non. Ah bah super. Oui, la flemme. Super. 42 et 61, devient Adam 61, direction au Bénise. Heureux. Parfait. Allez. C'est un très beau call. Du coup je donne 8. Ah 8$. Trop et généreux. Et 100. Voilà. Voilà. 8. Ouais, 100$. C'était dangereux hein de. Ouais. Voilà, je donne 800$. Ah c'est 10% de ma fortune actuelle. C'est très généreux. De rien. Ravi de pouvoir contribuer à la Reaper. Ouais. Contrabu. Nathalie, j'étais bien. Bah nous, du coup, il y a toute la déposition qui a été faite au Bénis pour l'accident qu'il y a eu. Ouais, non. On va voir s'ils ont besoin de plus d'infos. Vu que j'étais le conducteur. Ouais. Bonjour. 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 Du coup, je viens pour le véhicule et l'Speedy qui a fait boom sur le port. C'est là. On ramène le conducteur. Ah, oui, là, en fait, c'est moi le conducteur. Ok, ça marche. Je sais, vu que je travaillais au Bénis avant, je sais comment ça se passe. Du coup, je viens en tant que conducteur. Yes. Pour régler la facture. Ouais, mais attendez, je sais même pas s'il l'a fait. Attendez. Je sais pas s'il y a eu une réponse de l'assurance. Ouais, non. Ça ne fait pas flaque de votre véhicule. À 10-4. T'es sûr, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, mais je l'ai pas noté dans l'explosion. Ah, ok, d'accord. Juste envoyé à la ville pour l'instant. Non, okay. J'ai pas encore eu le temps vu qu'il y avait plein de clients. Oh, ouais. Du coup, oui, j'étais le conducteur du véhicule. Du coup, je sais que vous avez besoin de moi du coup pour le véhicule. Ah bah non, ça y est, votre collègue m'a dit ce qui s'était passé vu qu'il était sur place. Donc du coup, bah, ce qui va se passer, c'est Madame que Madame 46, bah, on se rapproche au cas où. Une demande à la ville. Vous avez dit quoi? Et bah, j'attends la réponse en fait. Non mais vous avez dit quoi, mon collègue? Alors. Je vais vous expliquer. Donc, monsieur Grid était en formation de course-poursuite. Il a fait un tête-à-queue. Ensuite, il a manœuvré pour reculer dans les docks, entre le camion et la remorque stationnée. Le véhicule a explosé sans qu'il ne touche ni le camion ni la remorque. Ok. Ok. Ouais. Du coup, lui aussi, il sait pas pourquoi ça a explosé. Ouais. C'est, ouais. On sait qu'il est pour. Ouais, non, en fait, c'est vraiment non, une explosion, il m'a dit, on se demande pourquoi. Il m'a dit qu'il ne savait même pas. Même pas comment que ça avait explosé non plus. Donc, Ok. Vous avez une boîte mail? Oui. Oh, oui. J'ai potentiellement des trucs à vous envoyer par rapport à l'explosion. Oui, bah envoyez, mais. Ouais, envoyez si. Bah, c'est alex.cellier@gg.discord. Alex Cellier? Alex Cellier, ouais, alex.cellier. Hop. Je le trouve. Oui, allez-y, pas de soucis. C'est de l'autre. 54 pour la Buffalo sur Rockford 10, contrôlez-moi le camion arc. Excusez-moi, monsieur agent. Oui, dites-moi. Oui. Est-ce que vous allez recevoir ou avez reçu une plainte du LS contre le Bénis? Contre un employé contre du Bénis, ouais. Alors ça me dit rien du tout. Parce que j'ai le patron qui me dit qu'il attend des explications de ceux qui sont en ville. Qu'avez-vous fait pour que je reçoive un message comme quoi une plainte va être déposée? Du coup, Pas du tout d'information. Je pense que la personne a dû se plaindre directement auprès du patron et a menacé d'aller porter plainte. Mais nous, en tout cas, ça me dit rien pour le moment. Bah ouais, sauf que, enfin, faut d'abord en parler avec les gens. Bah non. Ok. Il y a eu il y a eu un monsieur avec une Sanchez là en bleu camouflé, mais il n'arrivait pas à la ranger. On a essayé de la ranger dans notre garage
ça a pas marché. Du coup, il n'y avait pas de Georges, il ne nous a pas dit je peux pas vous la prendre, ou c'est un véhicule d'un autre civil dégagé. Ouais. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un problème. On s'est dit que je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je la mette en fourrière pour voir si ça réglait le souci. Et c'est tout. Okay. Et après j'ai fait une demande d'assurance normale et voilà. Ah bah non, pas d'infos pour le moment, mais ouais. Je sais pas du tout. Il va falloir voir avec. C'est ce que je suis en train de lui demander, mais il répond pas donc. Ah. Ok, d'accord. Peut-être par rapport à ça, je sais pas. Sujet clos. Là, je saurais pas vous dire. Non, sujet clos. Donc. Ok. Bon, de toute façon, s'il y a un souci, de toute façon, on viendra vous en parler. Mais oui, c'est mieux que s'il y a un souci, que les gens viennent vous en parler directement, quoi. Oh, oui, bah, et après, bah, effectivement, si le problème n'arrive pas à se régler à l'amiable, de passer par nous. Mais c'est toujours mieux si. Non, mais si je sais pas si discuter c'est... entre ouais. vous et le client. Mais après, c'est peut-être pas ce monsieur-là, c'est peut-être pour autre chose. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que c'est pour ça, mais dans la manière dont ça a été fait, je pense. Ouais. Ok. Et du coup, ça. Ouais. Bon, ça sera, on va dire, la surprise. Ok, ça marche. C'est bon. De 46, bon, on a une décapotable sportive noire qui nous tourne autour depuis tout à l'heure sur Portola Drive et Dorset Drive. Ah, Dame 42, on va se rapprocher. Ok. Reprise de patrouille. Je contacte vous et si vous voulez contacter monsieur Bredo, je rappelle. Ouais. Vous avez mon numéro ? Oui, bah le 555 6106. Ah, c'est ça, 6106. Ah, ouais. OK. Parfait. À tout à l'heure du coup. D'accord. Attendant de vos nouvelles. Ouais, il y a pas de souci. Et à plus tard. Et bonne journée. Bonne journée. Et bonne journée. Comme ça, je... Ah, c'est où Portola? C'est ex-zone triade. Ok, on va se rapprocher. C'est triplette, tout ça. Il y a Adam 61, on pousse pas tout direction Portola. Le moment, il y a une voiture qui suit les collègues. Reçu. Il tourne 4 fois autour du même bâtiment et il procède à arrestation. C'est ça. Et allez, 10-31. Ouais. De Adam 61, 10-31 en cours sur une super sportive noire sur Vespucci direction ouest. On approche du totem coréen. On arrive au niveau de San Andreas. Toujours Rockford Drive direction nord. Elle va prendre la Delpeo Freeway direction est. Elle a pris la Del là. Ouais. Delpeo Freeway direction est. Elle va ressortir au niveau de Palomino Avenue. Elle a pris à droite là non? Ouais, ouais, elle a pris à droite. Là, dans le. À, côté. À droite, droite. Ok, putain, je le. Là, de nuit, une cata. Il y a un dessin au niveau de Palomino Avenue. À la sortie de la DPO. Vers, vers le sud, ou alors il a repris la freeway olympique. Hein. C'est pas vers le nord. C'est vers le nord. Ok, le dernier radar, c'est lui. Ah, quel endroit. Il a continué tout droit. Il a continué tout droit en fait. Là, à gauche. C'est pas négatif. J'ai checké la plaque. Devant. Avec la plaque 66 JTW. Le 46, si c'est une bande chinoise décapotable avec quel rond, c'est ça. Celle c'est qui nous tourne autour. Ouais, mais par contre, pourquoi elle part aussi, elle hein. Attends, ça là, c'est pas les collègues? Mais c'est à qui ça? Bah, j'en sais rien, mais le type, il a cru que c'était pour lui, il essaie et de se barrer. De John Strapper. Ah, si. Ah, mais d'accord. Et mais. Aïe. Aïe. Ah, pardon, 54, on avait pas reconnu. Du coup, de 60 ans, on est à la recherche de la FMJ noire de Monsieur Strater. Immatriculé 66JTW. Putain, j'ai plus l'habitude qu'il y ait d'autres oracles qui se baladent en fait. C'est pour ça que j'ai vu une oracle prendre la fuite. J'ai vu une voiture prendre la fuite quand on est passé à côté. Je me suis dit, attends, il y a un truc qui pue là. Mais non. Non, non, c'était bel et bien... Il habite où, Strater? Strater, je recherche. John Strater, qu'est-ce qu'on a dans le dossier des blagueurs? Je vais venir vous récupérer. C'était quoi la plaque de Strater? 66 JTW. Ok, donc c'est pas ça.
Alors, dernière adresse. Consultant RS en contre-sens sur son adresse à l'heure. 112, c'est le GIN. Ok, ouais, non, il va pas trop tourner chez lui tout de suite, je pense. Il a dit quoi sur son adresse? Il a une voiture en contre-sens. Je suis en train de vérifier si j'ai pas autre chose sur Strata. Oh là, par contre, il n'y a pas eu un. On nous a changé les moteurs des oracles. Quoi? Bah, je suis monté à 200 km/h très vite. Ah ouais? Ah ouais, non, elle le refait plus. Comment ça, très vite? Bah, je sais pas, là on était à 202 km/h sur le pont de Vespucci. Sérieux? J'ai pas compris. Que t'as pas fumé quelque chose? Bah non, non, sûr. Petite moto là. Ouais, elle allait un peu vite, mais non, ça va, elle s'est calmée. Du coup, on s'en fout. Ouais. 29 ouais, et 19, il y avait un Adam 19. Reçu. 4. Ah, mais du coup, on va travailler en plus étroite collaboration maintenant. De. Bah suite aux promotions. Ah bah oui. Ah oui d'ailleurs, félicitations. Ah merci, merci. Ah oui, du coup sergent inspecteur. Ça tout à l'heure. Sergent inspecteur, du coup on va travailler ensemble. Plus oui. Haut. Ah bah oui. C'est aussi ces sujets devant le paradise direction sud. Ah putain c'est. Ouais c'est aussi Charlie Denver moi que je voulais voir. Ah, faut que je me replonge dans les enquêtes, j'ai pas trop eu le temps. Il va tomber sur Monsieur Gilson à demander infraction au code de la route. Bien pris. On a reçu. Gibson. Oh, on entend ce nom assez souvent quand même. Ouais. Trop souvent. Se rapprocher du, ouais, du bar. Bonne prise de service. Oh, faut que je le voie pour des clôtures d'enquête. Ah oui, monsieur le commissaire. Voilà, Denvers, il n'y a personne. Ah, le bar est vide. Ouais, je sais pas s'il y a des agents qui attendent des gens. Hein? Hein? Mais y'a pas d'appel au commissariat? On a eu aucun appel au commissariat. Non, ils attendent en fait quelqu'un qui se fait interroger. Ah, ouais, parce que le dernier appel au commissariat. 41 minutes, hein. Ouais. À 8? À 8? Non, ce que j'ai demandé, c'est ce qu'ils m'ont dit donc. Oula, ouais. Bon, ça sera pas cher, quand même. Hein. Pas un salon de non plus, non, rien. Ouais, on va peut-être refaire 10-19 et virer un peu ces personnes. Hein. Ouais. De Adam 61, 10-19. Juste voir si le commissaire leur a pas dit que c'était bon, parce que si. S'il a dit ok, vous pouvez attendre ici. Oui, à 8 quand même, 1 ou 2. C'est qui interroge? Bon, c'est rien, c'est 55, il a fait un 10-6, mais je sais pas qui c'est qui interroge. Ok. Ah, c'est sur son autre. Il est sur un autre. Oh, moi je suis sur. Il y a un truc qui est passé vite là, j'ai l'impression. Parallèle là à droite. Droite? Sur ce trou? Je sais pas, j'ai vu une sportive tourner très vite. Nord, y'a rien. Sud, ah y'a bah, ça. Ça devait être ça. C'est pas nous. C'est pas nous ça? Je crois pas. Hunter, il a la même. De 15, je veux un agent au poste parce qu'il y a des. Ouais, en même temps, s'ils appellent pas. Ah oui, s'ils appellent pas. Vas-y, on va les laisser gérer. Hein. À part si tu veux te faire un dépôt de plainte. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, on va juste faire le plein. Et de 54 pour information, monsieur Olsen a été amendé pour rappel à la loi. Bien pris. Reçu. Ouais, non, en tant que sergent, je vais laisser les officiers, officiers supérieurs à le faire. Oui. Tant qu'à faire. T'as eu accès à de nouvelles enquêtes ou des trucs du genre du coup en tant que sergent ou pas du tout? Oui oui j'ai... Ouais, y'a des trucs où t'as des questions ou... J'ai vu le truc sur la MST là.
Blackbird, là, Blackbird, ouais. Voilà. Et l'autre sur. Sur. Alors, on parle pas trop fort, si vous pensez à chuchoter en voiture. Je chute tout le temps en voiture. Sur. Oz. Merci Moustache pour le follow. Oz. Ouais. Meurtre, ok. Mais ça, j'étais déjà au courant. Ça. Je crois que j'étais d'ailleurs le seul officier enquête super. Enquête qui n'avance absolument pas, mais voilà. Ouais. Allez, sans douter. Austin Oz, je l'ai su le jour même qu'il s'était fait assassiner. C'était non, moi qui ai intervenu au Bénis. Ok. C'est moi qui ai réceptionné le véhicule de Monsieur Oz, du coup, contrôle du véhicule, fouille du véhicule et tout. Ouais. Et on m'avait dit de fermer ma gueule. Ouais, il y a eu une enquête ouverte dans la journée ouais, après, oui, mais. Ah. Une jolie voiture, ça. Tali GTB. Alors, par contre, check la super aide, voir s'il y a de l'activité à ce niveau-là. J'ai envie de dire, il n'y a pas que des gens qui attendent, il y a aussi des gens qui veulent déposer plainte, mais. Bah, c'est sûr que s'ils ne sonnent pas. Ouais. Un appel, il date d'il y a 40 minutes, hein. T'as pas deviné. 19, fin de service, à tout à l'heure. Fin de service. You animal. Non, je suis pas un animal, Ginette. Elle a dit quoi? Oh, elle a dit que j'étais un animal. Mais sinon, elle a rien dit. Un animal? Ah oui, elle a dit vous êtes un animal. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec Ginette pour qu'elle te traite d'animal? Ouais, alors elle le dit pas à tout le monde, ça quand même. Elle a dit oh oui, inspecteur Collins, vous êtes un animal féroce. Ah! Alors non. Non, elle l'a pas dit comme ça. Non, elle l'a pas dit comme ça. 54 des planques. Reçu. Alors je regarde juste vite fait au niveau des enquêtes et autres ce qu'il y a. Ouais, juste vite fixer qu'on est en service alors 15, 24, 26. Et le Adam 46, c'est une avenue 1029A, direction Est. Type de véhicule Sultan Blanc. Alors McCartney il est au poste pour déposition, Greenwood il est en planque. Ellie et 26 sont en Adam. 29 et 24 sont en Adam. 42 et 61 sont en Adam, 15 et au commissariat. Ok. On est le dispatch. Ok. Donc il y a 3 Adam plus 1. 2 au commissariat, 2 agents au commissariat plus 1 en planque. Okay. Bon, on va essayer de. On va essayer de toper de la drogue, ça serait pas mal, ça fait un moment qu'on n'a rien eu. J'ai eu un type il y a 2 jours là en moto. J'ai même pas eu besoin de le fouiller. Et je l'ai pas pris sur le fait en fait. Je l'ai suspecté, le type je l'ai arrêté. Et je lui ai juste posé la question. Et de 46, on a une exemplaire noire qui vient de remonter à toute vitesse sur Elgin Avenue direction nord. C'est 29, j'entends des bonnes plantes. Radio off. Sur Elgin, putain c'est laquelle Elgin? Derrière c'est route du SMS. Loin. La route du LSMS, Elgin. Aïe. Ouais. Ah, ça va pas toucher, hein. Si, ça a touché le palmier, c'est pas grave. Ah non, je suis passé à 2 mètres du palmier. Bon, si ça allait à toute vitesse, elle est déjà passée depuis une demi-heure, oui, mais. Après, le problème qu'il y a avec Elé, c'est qu'il signale tout ce qu'il voit. Ouais. Et je vais lui dire d'arrêter parce que ça sert à rien. Il signale tout ce qu'il voit, il le signale. C'est... Ça fait du spam radio pour pas grand chose parce que. Ouais, véhicule noir rapide qui part direction nord sur Elgin. Ouais. Ouais, voilà quoi. À la limite, si t'es en contrôle que le véhicule te passe plusieurs fois devant, etc. Oui, mais là, ouais, c'est pas très. Bon, qu'un véhicule noir qui passe de juste sur la route qui. Ouais. Ah tiens, Elgin. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu beaucoup là. On
On a été au courant de ce contrôle? Non. Si, il a dit. Ah, ok. Non, par contre, qu'il y ait deux véhicules sur place, non. Ça, par contre, ça n'a pas été. Bon, après, s'il y a besoin de deux véhicules, il y a besoin, mais... Ah, il n'y a pas une nouvelle agression au Concess? Non. Ok. Non, il n'y en a pas eu, pas ma connaissance. Là, depuis quelques jours, le Concess, c'est assez calme. Ok. Là, le seul truc qui est un peu moins calme, c'est CNN, là, avec la prise d'otage d'hier. Ouais. Et j'ai lu un peu ce qu'a dit Melun et compagnie, c'était pas dirigé vers CNN. C'est juste parce que ils ont fait le lien avec le fait qu'on a arrêté beaucoup de personnes et le fait qu'on ait possiblement beaucoup de choses dans notre coffre. Par contre, ils auraient pu s'en prendre d'une différente façon, ils auraient pu s'attaquer directement à nous, lors d'un convoi. Oui. Ça aurait été marrant, ça, tiens. Ouais, marrant, je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais je suis en train de regarder par rapport à tout ce qui est enquête. Avec 15 sur 54, viendra aussi. T'as suivi le Beniz Payo ou pas? Ouais. J'ai vu vite fait, j'ai parlé avec Genovese un peu avant-hier sur cette enquête. Lui dire de pareil de se bouger un peu le cul et surtout d'éclairer ses dépositions qu'il a déjà fait mais qu'il ne sait pas marquer. Il y a une déposition de Wiley par rapport à ça. Donc Wiley est dessus. Oui, il a été ajouté en tant que référent pour aider. On a LSMS Clint également. Ouais, ça c'est moi qui m'en charge avec McCartney, mais comme tu peux voir. Ouais, on est en attente d'un type là, qui répond pas. Même par mail, il répond pas. Donc. Mon hélicoptère super volito blanc et carbone. Ok. Oh, je vais prendre le 10-27. Sur son temps, je prends le 10-27. Je vais appeler directement. Ah ouais. J'appelle pour lui dire c'est ok, il me raccroche au nez. Ah bah super le gouverneur. Hein. Ah, s'il est en vol. Ah ouais, il faut pas en vol lui. Bah je sais pas. Si pourtant. Bon. Voilà. J'ai lu. Great Ocean, ça rentre en ville ça. Il y a moyen qu'on arrive à l'avoir. Dans 9 NVN. J'ai. De Adam 61, on va se rapprocher du lien flash. Dans 9 NVN. NV. C'est la Nero de Strater. Il a changé de véhicule. Attends, Strater, c'est celui qui nous a fait un truc déjà tout à l'heure? Oui, c'était lui avec le véhicule noir là. Ok. Poursuivez. Il a dû ranger son véhicule et prendre maintenant sa Nero. Ok. Et là, je croise les doigts pour qu'il passe par ici. Je pense pas. Il s'est fait flasher sur le premier là. Oui, entrée. Donc il est pas en... c'est pas celui qui est un peu plus haut. Il est juste à l'entrée de la gate. Direction sud, il flash. Il y a plus le deuxième. Non, il y a que lui. Ah, bah, le deuxième, il est... Ouais, le deuxième, il est au niveau du pont de la base militaire. Là. Ah, donc il c'est les shérifs qui l'ont. Ouais. Okay. 246, il s'est sur monsieur Cabara, a demandé pour un vol. Tu m'as dit, il habite où, lui? Elgin Avenue. Ah, merde. On y était. Au 112. Je sais pas lequel c'est, le 112. Le 118, je sais lequel c'est, mais pas le 112. Clark. Pierre, on le voit lui juste un message lui disant c'est bien reçu. Ouais, j'ai dit juste bonjour, monsieur Clark. Bon, voilà, vous. C'est reçu. Bonne journée. D'ailleurs, les dessins que c'est tiré, les dessins que c'est horrible en ce moment. Horrible. Aïe! De. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je me suis fait mal. Ah. Aïe. D'accord. Vous consommez quel genre de substance? Et bonsoir, Michouquette. Et coucou, Lux. Oula, c'est quoi ça?
Non, on l'a déjà croisé elle tout à l'heure. Fugitive orange, néon jaune. Elle est passée un peu vite au feu. Non, ça va, elle s'arrête. Et de 46, j'ai une bestia noire et le 6-6 de JS qui vient de remonter Elgin Avenue direction nord à vitesse rapide. Voilà, c'est un peu plus intéressant. Essayer de voir où ça va. Comment il va, monsieur Luxplay? Ils sont pas fait flasher, donc la vitesse devait pas être si rapide. Bah non, parce que c'est en descendant. C'est all speedy. Oh, mais ça doit partir dans le nord. À tous les coups. Elgin après c'est Seigneur Arrow et compagnie donc. Ah, c'est pour ça je pense que c'est parti dans le nord. On va quand même faire un petit tour à gauche. Et bonsoir petite belette. Ah, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ah, c'était une voiture. Alors non, c'était du vide. Du vide, oui. Et du coup, pas plus d'infos sur JS qui tirait sur des voitures pour les faire exploser tout à l'heure. Non, parce que je crois que personne n'est allé voir. Ok. Ou sinon, si, peut-être quelqu'un est allé voir parce que s'ils ont eu l'information, c'est. Mais. Personne n'a rien fait en fait. Ah, oui. Je sais pas, les multiples qui tirent sur des voitures pour les faire exploser. Depuis quand il y a une femme en maillot de bain qui traîne une chèvre sur ce panneau? Ah. Ok. Non, faut pas chercher à comprendre, je crois. Ouais. Y'a un taxi. Oh, c'est pas rapide taxi. Non. Vu la vitesse, c'est slow taxi. Ouais. Pas rapide taxi, quand il se passe, c'est comme ça. Y'a des D5 de véhicules, c'est relou. Merci, 5M. Il est pas trop triste du coup le commissaire d'avoir un bureau sans plancher. Un bureau sans plancher. Ah, ah oui, c'est vrai. Le bureau du mais commissaire, y a pas de plancher. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est pratique pour travailler. Hein. On va entrer dans le bureau et. T'as pas de nouvelles de la Sultan d'ailleurs? Non, pas encore, il m'a pas rappelé le type. Ça va me coûter une blinde ça aussi. Oh putain, ouais, ça, t'as ça, vu ça, ça. Ouais, j'ai entendu surtout. Vas-y, c'est parti, ou droite ou gauche? Aucune idée. Gauche, je dirais. Mais droite, dit gauche. Ah, à gauche y'a rien, mais Ouais, mais à droite non plus y'avait rien. Ouais, mais c'est. Ouais, putain, je sais pas. Et merci beaucoup à Taos pour le follow. Ah là, on l'a laissé trop d'avance. Ah bah tiens. Allez ici la voiture. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là les Bratis? Les Bratis Kaya là, qu'est-ce qu'ils branlent? Je sais pas, mais non. Ils sont nombreux et ils arrivent vite. Et on a absolument aucun endroit pour les mater eux. Et coucou Todd Fun. Ouais, tu plus de 20 FPS sur Twitch. Pour golf. Ouais, mais c'est cramé quoi. Ouais. Là, j'avais trouvé le petit toit en face, mais on a testé avec. Je sais plus avec qui on avait essayé. 4, 10, 19. Je sais plus avec qui on avait tenté différentes collines, différents toits, etc. Il n'y a rien pour les mater. Mais là, depuis le cimetière, la colline du cimetière, par derrière. Ouais, le téléphone, cramé. On voit pas dans la ruelle. Ouais, si, on voit vite fait, mais c'est cramé.
C'est quel groupe qui nous a tiré dessus hier? Eux. Allez. Ouais, les Bratis machin. C'était les Bratis la boys là? C'est eux avec les AK l'après-midi là. Des AK? Ouais, mais ça tire à la K, il me semble. Ah, ça nous a tiré dessus au. Là, sur le contrôle qui a dégénéré? Ouais. Non, ça nous a tiré dessus à. Au Uzi depuis une des voitures. Ah, au Uzi, ok. Ah ouais. Oula. Là. Oh putain, je suis sûr que c'est Ramirez. Non. Ah, mais ça se barre? Elle est partie où, bordel? Sud, sud, sud. Devant l'ancienne ACDC. ACDC. Okay. Là. Sa mère! Nord là, dans la petite couelle, piétonne. T'es sûr? Ouais, ouais, elle est en haut. Merde. Ouais. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte. Allez, tournez sur l'hôtel machin là. Encore là? Ou tout ouais, arrête des ordres, gauche. Gauche. Ouais. Et là. Mais là, je sais pas. Sa mère! Putain, je suis aveugle là aujourd'hui. Juliette putain blanche avec un liseré noir sur le côté. Et de 61 pour information, nous sommes à la recherche d'une Juliette blanche avec un liseré noir sur le côté. Proche bar. Dernier design du véhicule au niveau de l'ancienne ACDC et Paradise. Putain, je l'ai tellement pas vu. Je sais pas, je vais la faire. On va patrouiller sur Recordings pour voir si on va par là-bas. Moi je sais qu'il y a. Il y a le Willy Ramias qui en a une, comme ça. Okay. Après, est-ce que c'est lui? Je pense à un. Dans ces couleurs-là, il a? Ouais, bah, exactement la même. Elle est blanche avec la liseré noire. Et il travaille au bar. Donc. Ouais. Ça serait logique qu'il soit pas ici. Putain, pour moi, en fait, il était en train de s'arrêter. C'est pour ça, à ce niveau-là, j'ai ralenti vachement, mais. Est-ce que c'est lui ou pas, ça je sais rien. Il n'y a pas de véhicule devant. Je sais pas qui c'était, mais si on peut la retrouver, c'est pas mal. La petite bullette blanche là. On la retrouvera jamais. Elle est pas à gauche à tout hasard. Non. Alors si vous déportez devant nous, madame. J'ai une petite soif là. Par contre, du coup, il était au milieu de d'ici le type là. Celui qu'on a pour Dieu. 10-4. On est de là. Ils ont des apparts dans le coin là par. Ouais, les Bratis machin. Parce qu'ils sont d'ici. Donc généralement, ouais, bah, si tu vas vers chez eux, tu viens pas par là quoi. Si, ils ont. Y a Panzi qui habite là, sur cette rue. Juste okay. Un petit peu plus loin là. Attends, Panger, c'est celui qu'on a arrêté en premier hier. C'est celui avec la bestia grise là. Ah oui, celui qui. Oui. Celui qui a essayé de me taper quoi, sur le contrôle. Ouais, le blond là. Il habite juste là, juste en dessous sur Spanish. Là. Ok. Ah, mais d'ailleurs, ouais, c'était la bestia grise qui est passée. Bah voilà, bah, c'est Panger. Ah bah oui, oui. Il ah, est sorti oui, de chez lui, il est dans. Ouais, et elle est là, elle est dans la zone la bestia. Ok, ouais, bah c'est ça. Celui qu'on a topé en premier hier. Il sortait de chez lui, direction la zone quoi. Et hop, sans moteur, sans accélérateur.
Je vais me mettre dans ma tête quelques petites secondes, je reviens. Yes. Fais pas boum. Ça a pas fait boum. Putain, si on revenait, qu'on était tous coma, ça aurait été la merde. Adam 42 à kilomètre 25. Et 2,46 à 800 mètres. On va arriver par l'ouest. Il est temps de ressortir de ta tête, Zed. Ouais, je suis là. Ouais, j'ai entendu. On a un petit braco ouais, ici. Et Adam sur Tenter, il est sur place pour le moment et il reste à l'extérieur. Sortez les mains en l'air. 4-2-46, consommation faite, on rentre. Oh, je suis surtout blessé. Putain. Ah, je lui ai fait peur, je crois. Ah, consomme, ça te fait braquer. Okay. Je vais regarder derrière. Je vais regarder derrière là, la boutique. Elle a annoncé à la radio qu'il y avait une oreille devant la super. Il y avait quoi? Quand on est passé, j'allais annoncer qu'il y a une oreille devant la super. Ah ouais, non, c'était nous. Bon, bah, on vous laisse check aux alentours au cas où, mais je pense que la personne est vite partie. Ouais. RS derrière la super. Ouais, il y a du sang. Il a déjà entendu les sirènes, il s'est barré. Ouais, alors qu'il n'y avait pas de sirène, mais ouais. La prochaine fois, je l'ai en code 1. Ouais. Moi, c'est ce que je fais quand je m'approche de la supérette parce que. RAS dans les buissons. Non, reçu. RAS supérette, j'ai une étalité braquée, vous pouvez retourner à patrouille. Ah, on a le véhicule de la MST là qui est en train de monter Alta. Ouais, 44 SNL. Petit bowler. Adam Baptiste, 18. Reçu. Richeman. Merci du follow, la petite cervelle. De Adam 61, on va lui faire un petit tour sur le 17. Ouais, c'est là où il habite, Pensiel. À gauche. Quoi ça? Quoi? La voiture. Ok, non, c'est bon, c'est juste une voiture abandonnée. Non, y'a pas de voiture. Ok. Et, d'accord. Non, y'avait une voiture au milieu de la route, donc j'ai ralenti, vu qu'elle bloquait la route. Elle était en travers. Putain, si on repasse devant, ça va gueuler parce qu'on passe devant. Un coup de feu blagueur. Bon, on va d'abord passer à Richman. Hein. On va passer à côté, voir un peu de loin. 29, ouais, c'est vrai, y'a quelqu'un qui part. Hein. J'aurais pas dû prendre par là. Hein. Une bonne fin de service. Hop, comme ça on passe pas totalement devant. RS pour les canaux, c'était les blagueurs. Ok, ils ont toujours leur voiture. Bah si, ça te permet
Bonne fin de service. T'as Akema, c'est le pire avec ces genres de la, ces genre de la pub là. Non mais oh. Reçu. Ouais, sur Richmond, c'est eux, ils ont dû peut-être voler une caisse ou je sais pas quoi. Ouais, ils ont dû bouger une voiture ou un truc du genre. Comme d'habitude. Et du coup, vous dites, continuez encore tout le temps à tirer les autres là sur les canaux. Pourquoi ? Non, c'est pas chez eux quoi les canaux. Ah non. Les canaux, c'est. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais bah le feu qui se jette sous la voiture hein. Les canaux c'est limite limite de leur zone si on regarde la carte là où ils squattent au croisement c'est limite. Ouais, le souci c'est que souvent les coups de feu c'est vraiment dans les canaux. Parce que pour faire fuir les dealers ou je sais pas quoi. Ah oui. Ah parce que oui eux là où ils sont ça sonne soit sur Vespucci Canal soit sur la Puerta ouais. Là où ils squattent. C'est où Supply Street, c'est laquelle? Droite et c'est tout au fond. Ah, mais ça flash dans notre direction. En venant vers nous. Ouais, il flash direction ouest. C'est tout au fond, c'est Vermeer Park. Ah oui, d'accord, ouais, non. Il y a peu de chance qu'ils viennent jusque là. Jamais, hein, ça se trouve, il va faire un sans de glace. Est-ouest. Ouais. Ça arrive. Mais je pense pas. 13KWG, je vais regarder. Qui c'est ? 13KWG. C'est l'oracle de Hunter. Ouais. Et le 7, inquiète Natsu. Ah voilà. C'est le pire. Ah, c'est lui. C'était ça ? Ouais, ouais, c'était ça. Putain, bah, un chauve. C'est moi ou il a klaxonné ? Non. Enfin, moi j'ai pas entendu. Il accélère. Il accélère. Non. Il veut vraiment faire du 31 d'oracle. Sa mère. Il a pris à droite là, non? Non, tout droit. C'est en face là? Bah oui. Un 261-19A sur une oracle noire métallisée à l'angle 100. Regarde, c'est Ginger Street. Et merci Noubet pour le raid, j'espère que ton live s'est bien passé. 10-4, besoin de 10-24? Oh, 10-5. Oh, 10-5. Ouais, allez, bonjour. Arrive, Colin. Ouais. Une longue histoire. T'as volé une de nos voitures ou quoi? Attends, j'ai vérifié. Est-ce que c'est l'une des nôtres? Ouais. À vous, t'as enlevé la rampe et ouais. Ah, tu veux pas ouvrir la, tu veux pas ouvrir la fenêtre? J'aimerais bien voir vos pierres. Attends. Ah, ouais, ça c'est compliqué. Ah non, je sais pas que je sens bien que c'est bien l'oracle de Monsieur Nick Hunter. Ah. Con que ça là, c'est ma première voiture depuis que je suis en ville. Et elle a toujours cette couleur là. Ah, c'est nous qui t'avons copié du coup. Ah, ouais, non, j'avais copié vos voitures à l'époque. Ah, après, ah ouais, et on a fait une boucle, couleurs, ok. Et au final, vous êtes revenu à ça. C'est vrai que c'est. C'est. Mais ma voiture, elle a toujours été comme ça. Hein. Ok. Et ça fait, je sais pas, depuis. Je sais pas, février que je l'ai. Janvier, février, on parlait comme ça. Ah oui, non, ouais, ça fait un moment du coup. Bah oui. Ah, mais on doit. Disons qu'on doit rarement avec des oracles, quoi. Ouais, si, pourtant je me balade avec. Fais gaffe au bus. T'inquiète, je suis confiant. Non, c'est faux. Je suis pas confiant. Je suis confiant. Oh, non, il veut. Il veut pas avancer, le monsieur là. Non, il veut pas avancer, c'est pas grave. Ah, t'as failli me faire tuer. Non, c'était pour qu'il avance. Ouais. Vous voyez ça ? Tentative de meurtre sur un agent des forces de l'ordre. Ah, ouais, non, c'est une tuer faite mieux avant. Oh, une broutille. J'ai plus d'argent sur mon compte. Trois fois rien. Ouais, non, j'ai plus d'argent sur mon compte. C'est vrai qu'on a plus on vous voit plus souvent avec une comète ou d'autres véhicules que vous avez que avec l'oracle. Bah c'est la deuxième voiture que je sors le plus hein, l'oracle. Voilà, c'est la comète. D'ailleurs, en parlant de voiture, Erika, elle a toujours sa Reaper. Oui, pourquoi? Elle compte la vendre ou pas, tu penses un jour? Ça peut se faire. Ok.
Ouais. Ah, disons que ça me manque les Reaper. Bon, je t'avoue, pour le moment, j'ai pas de sous, donc faudra que j'économise, mais. J'en avais une il y a très longtemps que je me suis fait voler. Et j'en ai eu. Ouais. Ouais, par des types avec des vest brokers. Et après, sinon, j'en ai eu une autre il y a à peu près une semaine et, qui est partie en cube. Ah, c'est chiant. Nicole 29, 17. Faudra qu'on regarde ça si à l'occasion. Bon, ouais, pas tout de suite, hein, mais. Pour faire de l'arrangement, mallette. Oui, bien entendu. Si tu veux de l'argent, ça peut trouver l'argent. Ouais, on va éviter ce genre d'arrangement quand même. Ouais, mais t'es pas prêt de l'acheter là, non? C'est ça? Bah. Elle la vendrait combien sa Reaper? Aucune idée. Je pense au prix concesse, on va dire. Ok. Prix concesse, ça a combien concesse? Voilà, 88, je crois, un truc c'est du genre. Reaper du pauvre. Ah, ça va. Ouais, ouais, c'est pas très cher les Reapers, j'ai fait une. Ouais, merde! Mais non, pour moi, celle-là, c'est pas une super sportive. Moi non plus, je comprends pas ce que la CTRS fout dans les sportifs. Ouais. Pas trop logique. Ouais, du coup, j'ai plus qu'à économiser 88 000 et je te refais signe. Non, je suis pas à zéro. Je suis à 99 dollars. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de mes sous tout à l'heure? Non, ouais, oui, si, j'ai 1000 et quelques dans les poches. Mais ouais, j'ai 1000 dollars sur 90 000 quoi. Attends, donne ton argent. Ah, super. On est deux. Bah, donnez votre argent. Ah, d'accord, monsieur Hunter, pas de soucis, je donne tout mon argent. Voilà, tenez. C'est gentil. Voilà. C'est de la corruption inversée, ça, je reconnais. 1 dollar plus 1 dollar, t'sais, ça monte. Ça monte, hein. C'est le fameux dollar symbolique. D'ailleurs, je vais mettre une petite. Petite boîte à dons pour la Reaper de l'inspecteur à l'entrée du commissariat si tu veux participer. Ah bah merde, c'est. Ah bah c'est okay, merde. Merci pour mon dollar. Merci monsieur Hunter. Bon bah sur ce. Ah bah, oh, ouais. À la base on te. Mais non, mais du coup, on te contrôlait juste pour la vitesse. Alors je roulais pas vite, j'ai accéléré justement quand j'ai vu que vous avez fait demi-tour. Après j'ai rien fait, mais sinon juste avant en fait, parce que en gros on remontait, c'est pas pour rien qu'on remontait San Andreas, c'est que t'as peut-être été flashé à l'autre bout de la ville à vite. Ouais, au mirror là. Et du coup, oui, après quand t'es passé, t'allais pas très vite donc ça allait, mais on t'a reconnu et on s'est dit qu'on allait te dire bonjour. Ah, c'est vous, quand je vous ai vu faire demi-tour, j'ai accéléré, histoire de. Oui, bah on a vu ça. Et le radar était à 120, hein. Bah ça va. Ouais, bah c'est un tiers rompre trop quand même, quoi. Mmh. Bah ça fait un point en moins. Ah ouais, ça fait un point en moins. J'ai même permis, hein, Colin, ça. Non. Attends, bah attends, je te le montre. Attends. Ah ouais, ouais, t'as... t'as 3 points dessus. Bah ça faisait 3 mois que j'avais pas de permis. Mais ouais. Bah, avec la fourrière... Ah bah oui. C'est une bonne technique, ça, pour te faire passer le permis. C'est vraiment de la merde. Ouais, bah du coup, oui, félicitations. Du coup, je vais bientôt le perdre, mais j'essaie de faire attention. Bah, déjà, ça évite que vos véhicules portent en fourrière. Oui. Non, vous êtes... Bah, non, du coup, je m'arrête pas. Quand j'ai pas mon permis. Là, j'ai mon permis, du coup, je m'arrête. Là, j'aurais été sans permis, je me serais pas arrêté. Bien vrai. C'est pour ça que d'habitude, je m'arrête pas. Hein, 46, j'accélère. 19. Hein. J'ai pas de permis. Hein. Ok, ok. Là, vu que j'en ai un. Bon, on va te laisser profiter de ton permis tant que tu l'as encore. Sois prudent. Allez. Allez, bonne journée. Test radio pour 46, on m'a bien entendu. Je remercie. Faut que je passe au LSMS. Et qu'un premier moment, je dois faire 19, il m'a appelé pour le profilé. Ah, t'as été appelé pour le. Ouais. 2-61-19B sur monsieur Hunter, RS et 61-19. Alors je t'avoue, c'est dangereux, je vois rien. Ah bon? Ah oui. Alors tout droit, c'est parfait, encore. Ouais, alors la route je parfait. Vois, mais c'est plus si quelqu'un traverse, ça va. Ah ok. Alors je te préviens, y a pas de piéton, y a pas de voiture, tu peux continuer. Tout droit. T'as la radio et les SMS ou pas? Oui. Tu peux demander que quelqu'un vienne à l'accueil du coup? C'est reçu. Un médecin vienne à l'accueil? Ouais. Ah bah attends, il y en a. Oui, il y en a. Bravo. Bah finalement pas besoin de demander. Merde. Non.
Heureusement que vous avez glissé sur la portière. Ah merde. Ah merde. On va charger la portière dans le coffre, hein. Je vais aller au bénise. Ah merde. Ouvre le coffre. Je la mets dedans. Hop là, je la charge à l'intérieur. Voilà, c'est bon, tu peux fermer le coffre. Allez, parfait. Il y a tous les coups, il n'y a plus les SMS. Ouais, faut que j'aille au bénisme après. Ouais, il y a, mais il marche pas. Enfin, il est bugué. Part en Fed. Hey, bonjour. 5000, tournant de PP à 1000, prise de tâche standard 22250, agression à marmée 4000. Bonjour, Gunt. Ah, le SMS est dans la salle au fond, c'est ça? Oui. Ok, faudra que je les vois du coup. Attendez, il y a Fall Furious en train de passer sa visite. Ouais, ouais, bah c'est pour ça. Je les verrai quand ils auront fini. C'est qui parle là? Rington et Pro. Ok, ils ont fait quoi? PO. Ah, prise de temps de CNN. Ah, ok, pour hier. Ouais, pas obligé à sortir ma calculette. Non, 32, ça fait 32 500. Sûr, hein? Oui, je vous le dis. Du coup, là, on a Harrington et Pro. 5000 plus 1000. Comment ça fait 32 500? Bah, 5000 plus 1000. On a 6. Plus la prise d'otage standard. À 22 250. Attends, pas 22 500. 29, les véhicules sont prêts. Non, standard, elle a 22 500. Reçu. Plus 4000. 32 500. Vous êtes pas sur le convoi, inspecteur? Non, on m'a pas appelé. Non, ok, j'aurai besoin de vous, faudra apporter une voiture au Bénise. D'accord, à qui? À moi. Bon. J'ai dit inspecteur. Ça ne peut en être qu'un. Bon, du coup, ça c'est fait. Du coup, les autres prennent pareil qu'Harrington, je suppose. En fonction. Oui, on verra, on verra. Après, je sais que Frost et. Ah, puis pour LSF. Meunier, ils sont pas disponibles avant demain. D'accord. Bah, écoute. Est-ce qu'on va avoir un convoi soit, pour, c'est un, vrai que pour le liaison fédéral, vous pouvez mettre en même pour la... Ouais, non, mais la fédérale, s'il vous plaît. L'acte en soi c'est le même, mais est-ce qu'on compte aussi le fait que ce soit... Ah, bien reçu, merci à vous. Non, je l'ai toujours pas entendu, il y a des arrêts. Ah, est-ce qu'on prend en compte le fait que ce soit une petite main? Ouais, ils ont... Frost? Ouais. Clairement, de ce qui en sort de son interrogatoire, c'est que c'est une petite main. Hein. Je sais pas. C'est un truc qui vient de me traverser l'esprit là. Bon, on verra quand il faudra s'occuper de son cas. Et que okay. Pour apte à mise en fédéral. On a qui sur le convoi par. Bah vous êtes 4 je crois. Dedans le transport et l'avant et l'arrière. Et messieurs, bonjour, commissaire, sergent, inspecteur. Bonjour. Et du coup pour Harrington, elle prend pareil, elle prend 8 heures comme pour. Non, je vais mettre le non truc. Ok. Vous l'aurez quand vous serez arrivé, rassurez-vous. Oui, non. De quoi non? Comment ça, non? Non, mais oui, mais non, mais. Bah oui ou non? On se comprend, quoi.
Bah du coup non. La discussion de ce soir. Ouais, l'autre est en train de passer sa visite médicale. Y'a pas de. Y'a pas de cadet en service là ? Non, y'en a plus. Y'en a plus. Y'a que nous 6. Je crois bien. Bah y'en a une paire qui ont fait une fin de service. Quoi ? Y'en a une paire qui ont fait une fin de service. On est 7 au total. Votre pantalon, c'est important de tenir son pantalon, sinon il tombe. Ouais, imaginez, je perds un peu de poids. Ouais, c'est ça. Pantalon sur les cuisses, ça va être bon quoi. Quelqu'un qui s'occupe de vous, inspecteur Collins ? C'est à dire. Au niveau de vos lèvres. Ah, oui, bah j'attends du coup le médecin qui est. Oui, vous voyez, il y a du ABO, il s'y connaît depuis le temps. Non. Vous avez souvent les lèvres? Non, non. Enfin, très rarement, mais. Apparemment, le commissaire a une mauvaise expérience. Voilà. J'ai entendu dire que vous aviez enfin votre bureau, commissaire. Ouais, mais rentrez pas dedans. Ouais, j'ai entendu dire que ouais, le plancher avait mal été installé. Ouais, mais je crois que le plancher. Comment ça s'appelle le planchiste, enfin, bref, le mec des planches là, il vient cette nuit. Shérif pour la speedy, unité en place. Mais en tout cas, super beau là, le truc qu'ils ont fait sur le parking aussi, hein, c'est beau. Hein. Ouais, super beau, c'est tellement beau qu'il y a des portes qui tombent. Ah. Ah bon ? Alors. Comment ça, il y a des portes qui tombent ? Ah, disons qu'il y a une voiture à. Ouais. Ah, disons que. J'ai reculé pour aller faire le plein d'essence, sauf que Grid était trop pressé d'aller se changer. Bah, du coup, il est parti avec la porte. Il a fait du surf sur tout le parking avec la porte. D'où le. D'où le besoin de passer au Beniz après. Ça a pas mal bougé cet après-midi. Péter les. Portières de voiture, ça coûte cher. Ah, c'est pas comme si on avait une sultan explosé. Bon, il se fait analyser en profondeur ou quoi? C'est un peu long quand même. Vous prenez en photo avec votre badge? Non, je regarde le sergent réfléchir. Immortaliser ce moment, vous avez raison. C'est long réfléchir. Il est en pleine réflexion là. Il a l'air perdu. C'est qui a une boîte à pizza dans les mains là? Je reconnais pas de. Je vois tout flou. Boîte à pizza? Ouais, pas. Mais là. Ok, oui, d'accord. Sûr, c'est qui au milieu? C'est McCartney, mais il a pas de boîte à pizza. Ah, bah, si, McCartney, il a sa pizza dans les mains. De quoi? Vous avez une boîte à pizza dans les mains, McCartney. Non. Comment ça, non, j'ai pas de boîte à pizza dans les mains. Ah. Eh bah, allez, c'est tout bon. Je crois que c'est bon pour Madame Harrington. Ouais, c'est parfait. Allez-y, messieurs. Quoi? Il a dit quoi? Revenez là, 29. En plus, il marche encore comme une racaille. Ouais, non, mais c'est. Mais je pense que c'est parce que. Enfin, bref. Pourquoi vous marchez comme une racaille ou... Je marche pas comme une racaille. Bah, si, on dirait que vous. Ah, vous soupçonnez des choses, Greenwood hein. Ouais, je pense qu'il est un peu mal au. Ouais, il est un peu mal au cul, ouais. Là, je marche comme une racaille. Ouais, Wiley ? Du coup, vous avez dit quoi avant de partir ? Vous avez dit quoi, ouais ? J'ai dit, commissaire, vous êtes crampé. Parce que d'un coup. J'ai cru tromper. Ah non, d'accord. Grimper. Non, non, je ne saurais pas vous manquer de respect comme ça. Très bon cul. Bon, allez là, pardon. Bon. Pardon. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Grid, faudrait que je vous voie, docteur. Oui. Oui. Je n'ai pas réussi. Manger un petit truc pas très frais. Ok, ça marche. Attendez, si bougez pas, je vous mets un peu de pommade. Hop. Et voici pour vous. On va éviter de manger pendant à peu près une petite minute, histoire que vous n'ayez pas un mauvais goût qui arrive au niveau de votre bouche. Ouais, pas de soucis.
Et tout ça, vos collègues ont besoin d'un pansement aussi ou pas du tout? Non, c'est tout bon normalement. Non, tout est ok, okay. On est tout bon. Bah, je vais vous raccompagner du coup. Ouais, bah ça marche, je vous remercie. Je vais mettre le petit message, hein. J'attendais d'être à l'extérieur du LSPD pour le faire. Ouais, pas de soucis. Ouais, c'est... La personne est apte aussi de toute façon, c'est tout bon. Oui, tout le monde est apte, y a pas de soucis. Ok, bah je vous remercie en tout cas. Ah, c'est nous qui vous remercions. Et de même, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Putain, la démarche de course, faut pas faire une CP à pied. Hein. Mis un truc sur votre enquête, ouais, snowé, con. Qui? Blackburn, bah vous. Ah bon, attendez, j'ai pas regardé. Mais ça, ah si, la liste. J'étais en pleine planque sur votre enquête. C'est ça, non, pas du tout. Il se passe plein de trucs. Hein. Hier. Transport prêt. Ah, hier. Voiture de queue prête. Voiture de tête prête, c'est parti, convoi, début de convoi. Oui, tout à fait. La liste. La liste, oui. Il faut maintenant qu'on essaie de faire des liens entre les gens. Là. Il y a Sonia Martin Hamilton. Hein? Elle travaille en employé de la MST. Ouais. Ok. Il y a du beau monde quand même, hein. SP pour SS. À l'écoute. On est en départ pour la fédérale. Reçu, unité en place. Merci à vous. C'est à fond ça. Et bonsoir Akema. Oui, non, on monte. Ah, je vais avoir besoin de. Ouais. De toi pour aller amener la voiture au bénisse du coup. Pourquoi vous pouvez pas la voiture, hein? Bah si, mais ils vont sans doute la garder vu qu'il y a la portière dans le coffre. Bon, on va l'emmener tout de suite comme ça c'est... J'espère que c'est pas la voiture qui a fait boum. Bah il est passé où? Il est là. Je suis avec vous. D'accord, bon, je vais chercher une autre voiture. Ouais, véhicule de tête a accès un peu. Lincoln 42 direction Bénise. Ouais, 54, 15 à la direction Bénise. 4. Fait chier à mettre les clignots. Wesh Collins, bien ou bien? Bonjour. Ouais, yo, hey, Greenwood. Ça allait bien? Ah, ça va ouais, bien, vous avez pas Jean-Michel Elec avec vous là? Pardon? Peut-être ton collègue Elec, je sais pas quoi, c'est quoi son prénom? Du coup, j'ai dit Jean-Michel. Eh hey, bonjour. 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 Ah bah bonjour Pascal. C'est lui qui m'a fumé hier. Comment ça va? Tiens, à cause de toi, j'ai pris 500 dollars d'amende. De quoi? J'ai rien fait, wesh. Moi, j'ai ton téléphone. Attendez, pire, hein. Oui, c'est pas faux. Pourquoi t'as fait dollars, c'est quoi ça? Il m'a pris mon hey, bonjour. Et hey, bonjour. Enfin, rebonjour. Oh, t'es sérieux? Ah non, bonjour. Parce qu'il y a plus le droit, là, viens de me lever. Ah. Non, c'est pas le même que vous avez. Bah, je savais plus qui. Oui. Coup, je savais plus qui j'ai vu. Bah, la porte. Alors, la porte est dans le coffre. Allez, bisous, hein, moi j'y vais. Bah, celle-ci, elle est nickel normalement. Vous avez enlevé les radios? Ouais, je vous donne les clés. Allez-y. Hop, ouais, c'est tout bon. Bah, je suppose que vous nous faites signe quand c'est prêt. Ouais, bah, je vous laisserai un message sur votre répondeur quand elle ouais. est prête. Ouais, parfait. Nickel. Supérieur Elec, de ce qu'il a fait. Avec moi. Ok.
Vous avez défoncé la bagnole, c'est pas normal ça. Alors c'est une erreur de. J'espère que vous êtes plus en arrêt parce que de recul et. Bah pourquoi bah, je suis plus en arrêt non. Sinon je serais pas en service. Ouais mais on sait jamais, il y en a qui essaient de. Hein ouais non, j'ai bien eu l'autorisation des médecins de reprendre. Passer une nuit au SMS et ça va mieux. Ouais très bien. Très bien. La voiture c'est pas que de ma faute. Bon, bon courage, hein, bonne journée. Allez, merci. Ils en ont pour longtemps avec la. Bah, ils nous font signe quand elle oui. est prête. Bon, on va bouger. Ah, oui, oui, excusez-moi. Ah, on a perdu le. Ah, au téléphone. Ouais. Putain, ça va ? Ça va mieux là ? Ouais, ouais, ouais. Bon, j'ai juste fait un petit vol plané tout à l'heure en début de service, du coup, mais. Ah bon ? Bah, tu sais, la grid qui a fait boum. Oui, c'est quoi cette histoire là hein, bah, putain. Du coup, ouais, il a, je sais pas, visiblement, il a rien touché, sa voiture a fait boum. On est non. arrivé sur place et ça a réexplosé. Bonjour à. Ah. Bonjour. Oui, non, c'est tout bon, c'est tout bon. Ouais, c'est bonjour. Tout bon. Ok, attendez, coup de chiffonnette, comme ça je sais que c'est fait. Ah bah nickel. Ça permet de déterminer parce que quand il y a beaucoup de gens après, c'est chiant. Bah là, tous les gens s'en vont donc. Parfait. Hop là, et voilà. Ah bah merci. En quoi tu me disais ouais, en gros, on est arrivé en renfort pour voir, enfin pour sécuriser en attendant le SMS. Et visiblement, il y a eu une surexplosion. Et du coup, je me suis réenvolé et je suis retombé sur le cul. Mais ça, les coins sont pas réouverts ni rien. Comment il a fait pour exploser Grid là ? Bah, c'est ce que tout le monde se demande. Et ouais, non, c'est. Il a fait une marche arrière, il a rien touché, oui. ça a fait boum. Du coup, commissaire, on a perdu une voiture. Il voulait quoi, votre tocard hein. Olsen, lequel bah, c'est sur Elec. Qui ? Comment il s'appelait ? Connor Olsen. C'est sur Elec et son truc de camisole là. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai mis dans. Ça, j'en ai regardé. Dans Sergent. Ah ouais, non. Bah de toute façon il m'a dit là je suis en train de voir pour retrouver le doc qui était à côté qui a tout entendu et qui lui a dit de pas manipuler mon bras et voilà. Après si c'est avéré il a pris bah... contact avec le SMS et aucun médecin n'était en mesure de confirmer la version de la victime entre guillemets. Ouais j'ai eu le même son. Il mentionne le docteur fou. Okay. Mais apparemment Elec a confirmé hier qu'il avait utilisé une technique pour pouvoir le maintenir pour à l'arrière. Tout est ok, merci à vous. Voilà. Bon. Oui, par contre, on a perdu un véhicule du coup hier, commissaire. Lequel ? Une Interceptor. Et comment on l'a perdu ? C'est pas dans les rapports ça ? C'est dans le garage, je crois. Sur quelle intervention ? Bah sur la prise d'otage, en fait sur CNN. Là, le véhicule était crocheté et au moment de l'intervention à l'intérieur il y a des gens qui ont volé le véhicule devant. D'où le 10-00 d'ailleurs. C'est dans le garage mais ça me dit pas pourquoi c'est pas marqué dans les rapports. Dans les dans l'enquête ou... Oui il y a aussi un rapport qui parle de ça. Attends, parce que c'est quoi, c'est que c'est pas... D'ailleurs, garage. 950, elle est où? J'étais un peu occupé hier. Ah, attendez. Tac. C'est quoi déjà les... Véhicule au Bénise. Il n'y a pas de rapport. Ouais, je crois pas qu'il y a un rapport là-dessus. Ouais. 529-19. Après, pour le coup, c'est au capitaine à le faire. Hein. C'est au capitaine à le faire parce que c'est lui qui a crocheté le véhicule.
je dois y prendre 70 000 de un gouvernement encore. Avoir les financements. Hein. Il tourne quoi sur les canaux là à tirer de plus en plus? Le gouvernement arrive dans notre garage. Ils s'en foutent. Oh putain. Tu l'as. Ah, tu t'étais pas manifesté dans le chat, le docteur fou. Je vais aller voir. Coup de feu. Bah, en fait, apparemment, ils dégagent, ils font la police là-bas. Ah, mais c'est pas. Ouais. Bah, ouais, sauf que bon. Disons que si les brokers se mettent à tirer devant le bénis parce qu'il y a des types qui deal ou je ne sais quoi. C'est la même, quoi. Bah... Bon, le véhicule, hein. Bon, on va y aller, non? Ouais, ils nous font signe dès qu'il est réparé. Je paye pas dans 2 minutes. Bon, tu as des chances, hein. Eh, 42, 54, 15, Adam 15, 19. Moi, j'ai inversé. C'est pris. Oui. Il y a tous les matricules. Ouais. Je veux dire que j'ai investi dans de nouvelles lunettes à jouer à la vie autrement. Hein. Putain, hein. C'est des bonnes lunettes? Ah ouais, je peux pas dire. Arrêtez-vous à la banque, j'ai 5000 balles. Arrêtez-vous à la banque, j'ai 1000 dollars. Comment il conduit Stalker, hein, je crois qu'il sait. Et coucou Mbra. 1903. Hi there! Bonjour. Oui, bah c'est pour déposer un peu d'argent. Bon, c'est un salaire de fonctionnaire, vous savez. Et de 46 et 61, on retourne au commissariat. 10-4. Ah, ça y est, je viens de passer la barre des 2000 dollars sur mon compte. Oh, c'est pas mal. Ah, bah oui. La barre des combien? 2000. Ah, oui, j'ai 2002 dollars. Des... Vas-y, quel chiffre à dire ce moment? Les 10 000. Ah oui, félicitations. Les 13 000. Ah ouais. On est tous pauvres. Vous avez fait quoi des 40 000 dollars que vous aviez en plus, monsieur le commissaire? Hein? Ah, la dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez 50 000 dollars. Ouais, mais bon. Ça coûte cher, les voyages en Europe et tout. D'accord. C'est quoi que vous avez pris comme marque de lunettes, hein, commissaire? Quoi? C'est quoi que vous avez pris comme marque de lunettes là? Ah, y'a trop de fabricants différents. C'est plus du 20 ou. Plus du 30? Non. Pourquoi vous voulez changer de lunettes également, Renwood? Oui. Ah. Les 30, non merci. Vous êtes du genre à changer de lunettes sur un coup de tête, vous non? Donc c'est quelques lunettes qui changent. Vous venez à quoi dans mon bureau? Comment ça dans votre bureau? Oui, c'est quoi, ils m'ont offert un cadeau. Si vous voulez, on vous prête c'est notre vrai, bureau. Ils hein. m'ont offert un cadeau. C'est vrai, c'est quoi le cadeau? C'est de la corruption, ouais, ça. C'était mon anniversaire hier, commissaire. Donc oui, je sais. James Street m'a offert un cadeau d'anniversaire. Ouais, vous devriez le jeter, il doit être empoisonné. C'est clair. Il fout de ma gueule. Bon, bah, je crois qu'on peut aller chercher l'oracle. Bah, non, ils vont y aller. Non, on va y aller. Ah, bah, parfait. Prenez. Ah, vous voulez qu'on vous prête notre bureau ou pas? J'ai la flemme. Oh putain, désolé. Ah bah c'est vrai que j'ai pas pris assez cher moi ces derniers jours. Ouais, ça se bat maintenant. Désolé, oh, vous avez mis prêté, dans la nuque. Ouais, c'est un bureau qui m'appartient déjà. Ah, le bureau des inspecteurs. Ouais, bah. On peut être généreux et vous le prêter. Quoi? Mon bureau, moi c'est la mezzanine. La mezzanine. Oh! En plus, c'est un bureau fumeur, c'est bien ça? Ouais. Une unicorn. Oh là! Ok. C'est complètement, je t'armais. Hein. Ça a sonné que deux fois, j'ai l'impression que ça a sonné six fois. Ouais. Venez, on va dormir. Enfin, on va, je sais pas où. Hein. En vrai, si, on peut dormir. Hein? Hein oui, non alors. Attendez, alors, vous savez quoi?
Mais qu'est-ce qu'il fait ce... Ah, je pense qu'il fait ses lacets, je crois. Je fais mes lacets là. Hein. Voilà. D'accord. Vous allez juste à me suivre. Bonne service, bonne soirée, faites ciao. Bonne fin de service. Et bonne fin de service. Il a dit ciao. Bonne fin de service. Non. Il a dit fait chaud ou il a dit ciao? Oh. Ah, il est beau. Attendez, mais la salle de briefing, on peut rentrer dedans ou c'est galère aussi? Mais non, non. Ah. Mais là, faut vraiment rester là. Là, genre là. Ok. C'est... D'accord. Faut pas dépasser la. Faut pas dépasser l'imprimante. Ok. Ah, c'est un beau bureau. Et un beau canapé que vous avez. Ouais, c'est vrai, il est tout neuf en plus. Ah, puis vous avez vu le canapé, il est caché. Puis vous avez vu tous les dossiers que j'ai, hein? Eh, hein? Ouais. C'est pas des dossiers en retard, j'espère. Jamais. Vous avez vu les dossiers. Enfin, mon petit aigle aussi, hein? Reçu. Ah, vous avez un aigle, c'est l'aigle il de la propre. Justice. Pas du tout, c'est pas un aigle. D'accord. Ah, mais du coup, c'est un très beau cartable. Faut regarder. Ah. Et en plus, j'ai un écran plat ici. Regardez Netflix. Ouais, alors par contre, vous êtes fait arnaquer, vous avez pas de. Vous êtes pas relié à une tour. Vous avez vu que vous aviez un magnétoscope. Non. Vous êtes au top de la technologie, commissaire. Si on parle de magnéto. Ah bah. Il y a un magnétoscope en bas. Regardez. Enfin bref. Et pourquoi vous sortez votre téléphone pour regarder un truc qui est juste à 2 cm de vous? Oui, enfin bon, vous savez, votre bureau pour l'instant, je préfère. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mon bureau donc je vous emmerde. D'accord. En attendant, il est beau. Et puis en attendant, moi j'en ai un. Bah, ah, nous aussi on en a un. J'en ai même un avant vous, monsieur le commissaire. Bon. Du coup, Collins, votre nouveau bureau, je vais vous assigner autre part si vous continuez. J'ai rien dit, monsieur le commissaire. Ouais. Vous avez vu mes plaques devant, hein? De l'or tout frais. Enfin, de l'or, je sais pas si c'est de l'or. Mais... Ça, on jette. Ouais. Bon, il y a deux pancartes, quand même. Mais... Bon, est-ce qu'il y a des trucs à aborder, messieurs? J'ai vu que le capitaine avait mis des choses là. Ouais, j'ai vu. Et de 08 prise de service. Bonne prise de service. Bonne prise de service. Il a mis quoi? Où le. Parce que bon, Blackburn c'est bon, c'est en cours. Vous avez vu le nouvel élément, je sais pas si les shérifs le veulent aussi. Ouais, vous avez bougé quoi là. Bon. Boniface c'est en cours. Clint, hein. Ah oh, oui, il y a des trucs là, ça traîne. Hein. Ah, Clint, toujours pas de nouvelles visiblement. J'en ai parlé avec 61 tout à l'heure et il est en attente. Bah, s'il a pas de nouvelles demain, il y a un moment. Bon. Bon, ça va passer en live recherche. Ah hein. Oh, putain, faut que je t'appelle en rapport d'interrogatoire de Oz. Ouais. 455 1019. Bénis VS Pepito, Peyo, pardon. C'est Peyo, coup... hein. Et Coca, c'est monsieur Coca d'ailleurs. Hein. Ouais. Ok. Donc lui, on est où de lui hein. Des positions, nanana. Il y a Wiley qui a repris un peu la main parce que Genovese. Ah là, oui, c'est un enfant le commissaire. Un peu, oui. Mec Manus, vous avez rien sur vous demandez le docteur Marshall. Ouais, alors Mec Manus, non, j'ai pas, justement, je l'ai pas vu. Il faut que vous voyez avec le docteur Marshall, avec Mec Manus. Non, 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 bah, c'est le LSMS, oui, mais je n'ai pas vu le docteur Marchand et j'ai pas vu le docteur Allerman non plus. Ah, je lui ai envoyé un message à... Il y a un coup de feu juste derrière la vitre, commissaire. C'est vrai ? Textile City. Là, mon bureau, il est par balle. Votre bureau ou vos vitres ? Les vitres. Ah.
Heureusement, vous imaginez un peu. Par rapport au... je peux demander à ce qu'ils refassent la façade et qu'ils mettent plutôt des posters de paradisiaque, parce qu'on l'a vu. Ah, ça peut être... ouais. Bah, sinon, vous rachetez le bâtiment d'en face et vous en faites une annexe du LSPD. Non, j'ai pas tout. Ah. Ouais, c'est vrai. Ça va pas faire beaucoup, 10 000 $. Ah oui. Il y a Cross MST aussi. Oui, c'est vrai, ça. Je crois que c'est en retard, ça. Et c'est vous qui avez une action là-dessus. Ah oui, je sais, j'ai demandé, je crois que je suis en retard. Ah, mais attendez, j'en ai parlé avec Owens. Ah oui, non, oui, ça va passer devant la commission. C'est ça que j'ai oublié de faire. Une commission? Je suis pas au courant. Vous avez vachement lu le code du travail. Ou... Ah, d'accord. C'est une plainte pour licenciement abusif, l'enquête de police étant terminée, mais non, ça va passer devant la commission. Ok. D'accord. C'est la commission. Putain, d'ailleurs, c'est qui la commission? Oh non! C'est qui que vous voulez pas voir dans la commission? Il y a deux plaintes là. Il y a mon mari dedans. Quoi? Bah pourquoi vous dites trop de nom? Parce que professionnellement parlant, c'est bon quoi. Je suis dedans moi? Non, je suis pas dedans. Bah non, pourquoi vous êtes dedans? Oh, j'en sais rien. Je vous conseille, tout ça. Je crois qu'il y avait un package. On verra si vous avez cette rien. Commissaire, par rapport à tout ce qui est plainte, etc. Pas plainte, planque, etc. Est-ce qu'on fait comme on avait dit il y a longtemps? Ouais, mais... Quoi de... Est-ce qu'on avait dit de fermer les wipe et yellow et de plutôt créer un dossier de planque par zone qu'on mettrait juste en dessous des zones? Ça va faire 600 dossiers quoi. Ah mais au moins ce serait plus clair pour tout le monde et au non, moins sinon, on a vraiment ça chaque des zone. Dossiers mis en dessous des quartiers dangereux. Oui c'est ça. Oui. Ça sera à cet endroit là en fait. On n'a pas besoin de créer, sinon faut créer 14 canaux en plus, non même plus, 16. Prisonnier a besoin d'aide. C'est quoi ce blind? Coup de feu, les spooky bits. On est contact avec le LSMS pour la FEDEL. Hein. Mais dans l'idée, ouais, ça serait de rajouter dans quartier dangereux. L'idée serait juste de rajouter. Alors on oui, a un blagueur. Ça serait juste mettre planque 1 blagueur, planque 2 brokers, etc. Quoi. En dessous de chaque dossier. Compris, hein. Ah oui, je sais pas. Mais juste en dessous des. Je reprécise. Oui. Donc, en gros, on est quartier dangereux directement à portée de main les planques et comme ça. Oui, on après, peut planquer n'importe fermés, quel endroit. Mais il faut les garder sous pouce hein, parce que c'est ici que tout est déterminé quand même. Des l'enquête. Parce que là, ça sert plus à rien puisqu'on a. En soi, l'enquête, on a ce qu'on a eu. 55 mais pour tous, pas besoin d'unité, le shérif s'occupe de l'appel à la fédérale. Oui, c'est leur taf. Ce que je veux dire, c'est que l'enquête là est conclue parce qu'on a eu ce qu'on devait avoir avec l'enquête. Mais maintenant, faut pas pour autant la fermer et la mettre dans un coin et la oublier. Oui, oui, oui. Ce qui nous sera utile. Attendez, vendeux, parce que là. Et du coup, ce serait plus pour que tout le monde puisse faire les planques, etc. Et nous, après, inspecteur et ouais, au-dessus, ou qu'on puisse redispatcher. Oui, tu me pousses au cul. Ouais, mais c'est assez flou quoi. Enfin, c'est assez flou pour certains, donc parce qu'il y a beaucoup trop d'appels. Là au moins n'importe qui pourrait planquer n'importe où et nous on redispatch dans les dossiers d'enquête correspondants après. Ouais. Bon après il y a 8, attendez. Il y a 8, non il y a 9 pardon. Oui non pour le moment on n'a pas de... Oui. Ah, ouais, ceux qui nous concernent quoi en tout cas. Et si on met les planques directement dedans ça va pas? Bah non. Ça va, ouais, non, ça risque d'un peu se perdre et ouais. Non, c'est bien, le dossier est purement informatif. Après, en dessous, on met un dossier uniquement dédié aux planques. De toute façon, ils sont déjà les dossiers pour les planques dans certains trucs. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont dans les enquêtes, je crois. Ouais. 08 avion Incap 08 début de patrouille. À 10-4. Reçu. Quoi? Okay. 55, 10, mais bon, de toute façon, je vais voir, je ferai la paperasse tout à l'heure. Parce que quand même, c'est Cross MST qu'il faut que je me souvienne.
08, 10, 27. Bon, du coup, au niveau des peines, on est bon. Les deux os, ça sera demain. Sur le dossier Perquis, je suis en train de faire les condamnations pour les Tintouins. Hein. On va se les farcir aujourd'hui. De toute façon, il n'y aura pas de fédé pour eux. Ils viennent, ils prennent la bande et ils se barrent. Enquête. Bon, là, il faut rajouter les dossiers de planque. Du coup, Cross MST, faut que je m'en occupe. Et puis le reste, c'est un peu en stand-by. Hein. Assis Austin House, faut que je tape le rapport. Et de 61 devient Marie, début de patrouille. On en est où de Boniface? On a eu au des cours, nouvelles par rapport au truc d'hier de CNN ou pas? Aujourd'hui, il n'y a, enfin, a pas eu d'appel. Hein. Ouais. Et on n'en a pas su plus par rapport à l'annonce qui a été postée. Il y a Goulmira qui fait poster des annonces de recherche sur, sur Oxon. Il peut, hein. Ça lui fait plaisir. Bah très bien. Très bien, très bien. T'as eu ton conier, il y a plein de ça, quoi. Il y a quoi même plus. Il y en a deux nouvelles là, je vais aller voir si on a besoin d'ouvrir une enquête. Il y a deux plaintes sur le même. Dépôt de plainte. À partir du moment où il y a un accusé et qu'il y a des faits, on peut ouvrir un dossier même s'il sera clôturé. Et avec X en général, ça sert pas à grand chose d'ouvrir un dossier. Mais quand il y a un accusé, on peut ouvrir un dossier. Hein. Ouais. Il y a des Benis Vespeyo, ce genre de choses. Non, c'est pas Benis Vespeyo, c'est qui? Si c'est Cross. Coquin, hein. Ouais, attendez. Oui, Benis Vespeyo. Oui. En plainte là, il y a eu. Oui. Bah, vas-y, si je vous réponds, c'est que c'est bon. Ah là, pour les deux plaintes qu'il y a eu, en gros, ouais, c'est juste il y a eu un petit accident et le Bénise, ouais, il veut juste aller parler avec le Bénise et voir ce qu'il y a de fait. Je vais rapprocher des 10-27 Vinewood. 10-4. Ah, c'est juste pour ça. 2-0-8, tu verras peut-être les rendre. Reçu. Bah, qui repasse dans la soirée, il devrait pas tarder le cap. Ouais, très bien. Merci. De quoi, c'est juste pour ça? Bah, il veut juste des excuses, le mec. Qui? Bah, ceux qui ont déposé plainte là, qui sont fait écraser par un plateau du Bénis. Enfin, pourquoi ils vont pas voir le mec directement? Bah, tout à l'heure, justement, il y a le mec du Bénis qui me demandait s'il y avait des plaintes en cours par rapport au Bénis, parce qu'en gros, le patron du Bénis a été tenu au courant qu'une plainte allait être déposée, et les employés du Bénis savaient pas pourquoi. Et ils comprenaient pas pourquoi les personnes sont pas venues directement en parler. Oui, alors quand on porte plainte, c'est pas juste pour avoir une excuse, hein. Faut pas sauter de notre gueule non plus. Hein. Ah ouais, c'est ça, quoi. Donc, s'il y a une plainte, sur la condamnation. Si, j'avais mis un truc dans les call cases, là. Dans Racket, on a plein de raquettes en ce moment. Hein. Bon, pourtant je lis les rapports en ce moment, ce qui est rare d'ailleurs, et je vois pas trop de raquettes moi. Bah, il y a eu plein de dépôts de plaintes. Qui ont été classés sans suite d'ailleurs. En soi, ouais, on n'a pas grand chose dessus, ouais, donc c'est classé sans suite, mais ouais, ce serait intéressant de le refouler dans un dossier qui puisse tout regrouper et voir s'il n'y a pas des. Alors, Racket, on l'avait. Des façons communes quoi. Ça, hein. Ouais, mais le problème c'est qu'est-ce que ça nous a apporté des choses au final. On a pu relier certains raquettes quoi entre eux, mais. D'ailleurs, les liens sont plus bons de ceux que j'ai mis étant donné que ça a été classé, donc c'est dans les archives maintenant. Mais bon. Parce qu'en gros, là, à l'heure actuelle, on a des gens qui se font raqueter et il se passe rien quoi. Les plaintes elles sont classées sans suite et puis basta. Le problème, c'est que vous voulez faire quoi? Et bah voir déjà s'il y a des endroits, des similarités entre les personnes qui se font racketter, voir où est-ce que ça se passe, est-ce que ça se passe toujours au même endroit, etc. Si ça se passe toujours au même endroit, ou en tout cas des endroits qui sont potentiellement à risque, et bah qu'on planque. On sait déjà que ça se passe pas au même endroit. Vous avez dit vous-même, il y a une quantité de plateaux volantes et ils sont pas tous au même endroit, les mecs.
Bah la MST par exemple, ils se sont braqués, ils se sont fait braquer deux fois de suite à Prosperity. D'accord, mais oui, enfin, je vois pas de... Je vois où en venir, hein, mais c'est pas forcément... Ah. Je vous laisse prendre l'appel, sergent. Non, non, de 55-10-27. Vous voulez prendre commissaire ou on laisse 55 contacter? Non, il voit, de toute façon, s'il y a un truc qui m'appelle. Okay. Reçu. Perkins 79-30, je vais le noter quand même. Ouh, va falloir que j'y aille, moi. Allez. Ouais, de 61, j'ai de ma forme, ça te fait braquer à Super Del Rancho. C'est bon, très bien. J'ai oublié le numéro. Ça. Tant pis, je le ferai plus tard. Ok, et puis bah pour mon pour Blackbird là, faut que je fasse le point avec les shérifs aussi. Ouais, faites. Ouais, et leur enquête là, parce que c'est pareil. Est-ce que j'ai le droit de communiquer tous les éléments de 61 pieds à terre pacifique. Ou pas. Bien. Bah, par exemple, dès qu'on a un élément qui est... Bah, là, à l'heure actuelle, on a un infiltré. Ça, par exemple, je peux pas le dire, quoi. Attends, excusez-moi. Oui, à McCartney. Comment ça, je suis même pas au courant. Il y a un souci à la fédérale là. Il y a eu un souci à la fédérale. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'amenez au LSMS? Bah attendez, il y a tout ce qu'il faut dans la fédérale. Hein. Bah il y a une cellule. Et bon, sort le Tamaka. Attendez, attends deux secondes. Pour eux, faut qu'elles soient emmenées au LSMS, on est d'accord que non, la fédérale, il y a tout ce qu'il faut, non? Bah, à part pour une opération, je crois que c'est bon, quoi. Bah, apparemment, je t'ai fait agresser par des détenus. Et alors? Bah, le doc dit qu'il doit l'emmener au LSMS. Normalement, il y a des... Il y a ce qu'il faut sur place, sauf s'il y a besoin d'une opération importante, où là, effectivement, il y a peut-être besoin du LSMS, mais... Est-ce que c'est une urgence vitale? C'est une urgence vitale, le doc il dit quoi? Perkins. Attends, je vais l'appeler. Député Perkins, inspecteur Greenwood, au téléphone. Dites-moi, ça va et vous? C'est quoi cette histoire, la fédérale, là? C'est la dure vie de la fédérale, ça, hein? Alors, emmenés par les docs, mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est une urgence vitale? Les docs, ils sont obligés de les emmener? Bah, si, oui. Et le démarrer, disons. Non, 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 bah, s'il y a une urgence vitale, ils vont. Le plus. Attendez. Le plus simple à la limite c'est de d'emmener un hélico LSMS à l'intérieur, ils les récupèrent, ils vont à l'hôpital. Commissaire. Ouais mais pourquoi ils doivent être extradés? Bah oui parce qu'apparemment il y a une côte de cassé, etc. C'est qui le docteur? Je vais l'appeler moi. C'est qui le docteur? Ah oh là là. Ce bordel. Maureen Atwood. On est en train de se renseigner avec le doc là, d'accord? Vous êtes où? Vous êtes à la fédérale? Ok, bah on va se renseigner avec le doc là. Et on se dépêche. Je vous rappelle. C'est écrit à tout bout de...
ATWOD. Pour une côte cassée, faut qu'ils aient, faut qu'elle aille au LSMS. Pas plus de matériel pour réparer une côte au LSMS que. Bah non, mais. Attends, tu m'aurais dit, elle a une blessure, fait une opération, oui, mais. Un truc de PPA là. Et vous avez essayé l'hôtel? Son numéro là-dedans. Ah, 10-4, je fais pas la vista et que je veux voir et compagnie. Atwood. 67-76. Si j'ai un véhicule sur moi au niveau de la plage en face de la préfecture. Ah, 60, je pense sincèrement une moto suspecte, je vais l'arrêter. Attention. 10-29 passe sur une moto noire, donc Boulevard Del Piero est recouvert. Bonjour. Oui, bonjour, commissaire Connor, SPI. Dites-moi, apparemment. Non, faut pas qu'il marche, marchez pas, commissaire. Vous voulez extrader un détenu de la prison? Il m'a fait peur. Oh putain. Je l'ai vu partir, je veux. Vous Et après, vous le ramenez en prison? Donc vous me confirmez que en prison il n'y a pas de possibilité qu'elle soit soignable. Ok. Bah, j'espère qu'elle va pas s'évader en tout cas. Oui. C'est pour ça que je vous demande bien si vous êtes sûr que ça peut pas être fait là. Qu'il soit battu, pété une côte, etc. Soit c'est du pécor qui lui a tapé dessus et voilà, c'est les autres détenus. Soit c'est ses potes pour la faire sortir et qu'il y a un plan derrière. Dans son cas, c'est plus simple quoi. Il y a un policier avec vous? Il y en a un qui peut monter avec vous? On va rappeler le shérif du coup. On reste là-bas alors, du coup encore. 61 19 B sur Monsieur Kevin Ren, RS. 4. Ils vont rester là-bas jusqu'à temps qu'on ait les shérifs, on va les appeler de suite. Je vais les appeler. Ouais, ça marche aussi. Au revoir. Les deux, les deux. Vous pouvez les accompagner ou pas du tout? Vous accompagnez? D'accord, très bien. Et bah du coup monter avec les docs quoi. Oui. Bah après vous les remettez en fédéral, mais là vous enlevez rien du tout hein. Ah c'est reçu. Ils vont juste sortir, donc faudra pas s'étonner de l'alerte sur le répondeur, mais. Exactement. Voilà. Merci bien shérif. Et si vous avez besoin de muter en plus. Merci bien. Bipper le répondeur parce que moi je suis en train de faire ça. Et merci Red Dead. Putain. Il y a Perkins qui va les accompagner. Ok. Ils sont plusieurs à être transférés du coup? Apparemment ils seraient deux, ouais. Oui, il y a le shérif qui va accompagner les deux détenus au LSMS avec le doc, d'accord? Ouais, n'hésite pas à mettre une unité en plus au LSMS au cas où. Voilà, t'y vas, moi je prends une fin de service donc je vais gérer. Donc vous étonnez pas qu'il y ait un bip sur le répondeur, évasion de je sais pas quoi là hein. C'est les docs. De retirer... Non, il n'y a pas de retrait de peine, c'est... Elle va être sortie directement. 19A sur un désert tenu. Voilà. Très bien. Et bah allez. Oh, putain. Équipe de véhicule. De rien. Moi je dois vous laisser. Yes, je vais filer aussi. Reçu. Allez, bah plus tard. Yes, à plus tard. Ah bah ça va être une... Ah c'est pas faux. 55 pour tous pour information, le shérif va redescendre. Ah bon raccourci ça. Côté urgence avec Madame Poro. Vous êtes pas inspecteur pour rien. Ah si, la fédérale personne est right. T'as dit quoi? Mais le cas j'étais pas fait une patrouille autour de l'hôpital le temps de la présence. T'as pas fait exprès de quoi? On t'a forcé.
je suis en place. C'est une appel. Oh, pour lui. Bouton rouge, bouton rouge. Voilà. 54 fin de service, c'est plus tard. 42 fin de service. Bonne fin de service. Bonne fin de service. Et à plus tard, commissaire. Il m'a bien avant. Moi, ça va être une fin de live. Je serai sans doute de retour demain, dans l'après-midi. Je boiterai peut-être plus. On va dire que je vais dormir au Comico là. Parce que voilà. La flemme de retourner dans le nord. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour les resubs. Et je vous dis du coup à bientôt. Ah, si. Je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Ciao.